Alors, as you know, I like to have some pictures, and by the way, I saw that Daria is here. Bonjour Daria, and she's checking for the likes. So you need to, you really need to click on the likes, because Daria, she doesn't like when people don't like. And look, 122 persons. Definitely you should click on like. Merci beaucoup. The picture of the day. Look at this incredible and beautiful picture. Take 1 minute to write me one sentence to describe this photo or this picture. Merci beaucoup. Alors, c'est Gilles Martin qui commence. Gilles Martin nous dit « Il y a une inondation. Tenzin, une femme roule à vélo devant une grande maison. » Attention Tenzin, maison féminin. Une grande maison. Xuan nous dit « Elle fait du vélo sur l'eau, c'est vrai. » Victoria Jacques, un jour de pluie à Marseille. Et les gens se précipitent pour commencer leur journée. I just watched this incredible documentary on hip-hop culture in Marseille because it's really special and it's I love Marseille, I really do. Spiritual Weapons, les gens marchent et un homme est à vélo. Zakia, c'est très difficile de marcher. Oui, you should put the infinitive for marcher. Let me scroll because it's going fast now. Yasmine, le changement climatique est la réalité pour notre génération et celle à venir. M&M 19, c'est une ville sous une inondation. Tina, la femme fait du vélo à travers l'eau ou dans l'eau, hein, dans, she's really, hein, c'est vraiment dans l'eau hein, qu'elle est. Yenny, il y a une femme qui roule à vélo. Oui, remember that in usually we should use this preposition a. We use en when we are inside the vehicle. This is the reason why we say en train, en voiture, en bus, but normally when we are not inside, like vélo, à moto, à vélo. But it's tricky because sometimes you can hear French people that don't use R for that, so it's okay, we can close our eyes on this mistake. Curiosidades nous invite à déguiser... Alors, attendez. Nous invite à déguiser les petits moments de la vie. Il n'est jamais trop tard pour commencer à réaliser nos rêves. C'est bizarre comme... I tried to see a connection between what you wrote and the picture. I'm not sure I'm getting it, but... C'est très bien. Babar, il y avait beaucoup de pluie parce qu'il y a beaucoup d'eau dans la rue. Remember that we have the difference between route, and then in that case the preposition is sur. Route would be road. And it's really this part, but then la rue, it's the road with the buildings. And so that's the reason why we say dans la rue. This is the reason why we use the two different prepositions. Alors ensuite, Abhishek nous dit, I'm really sorry, my native is not Dutch or French, but it's okay. Don't worry, try. Participate. Participate, try to write or listen. Luciana Moribé, les canalisations doivent être bouchées. Oui. Ritu Jain qui nous dit, attendez mon Dieu, c'est très très loin, là il y a beaucoup de personnes qui ont écrit. Les rues sont inondées et les gens doivent chercher un bon côté de chemin. Daria, c'est une photo très jolie, c'est quelque chose de réel et de la vraie vie. Marlène Gou, hier il a beaucoup plu, mais il faut aller au travail. Oui, c'est vrai. Hilary Howell, il pleuvait beaucoup, mais les gens doivent aller au travail. Ada, les gens qui jouent en plein soleil, en courant dans la rue et en roulant à vélo. D'accord ? Est-ce qu'ils jouent ? Peut-être, ce sont des adultes. Olga, une personne chinoise monte à vélo. Fernanda Garcia, je vois une femme sur un vélo mouillant les hommes. C'est possible. MJ, c'est la même situation maintenant dans mon pays, aux Philippines. Oh, il y a beaucoup d'eau. Faites attention. Eau, électricité, ça n'est pas une bonne combinaison. Faites attention. Béatrice Christiana, il s'agit d'une inondation que les personnes essayent d'éviter. Ils marchent sur le trottoir et une personne fait du vélo. Très bien. Yossi, la rue après la pluie. Albouga, il y a un bâtiment avec un mur jaune. Victoria Possé, je vois que la nature a de nouveau inondé les rues et les gens ne peuvent pas passer. Très bien écrit. Je vais regarder... Je ne peux pas regarder tout le monde. Ice Cubes, il y a 4 hommes sans masque. Ils marchent sans distance. Ah oh, si, 3 marchent en distance. Il y en a 2 qui sont discutables. Si l'homme qui fait du vélo, je crois que c'est une femme, mais cet homme a plus de distance que les autres. Cosmina Bellou, oui, c'est comme dans la vie. La plupart des gens choisissent le chemin connu, mais quelques-uns d'entre eux choisissent une autre route. Peut-être la route qui assure le succès, probablement. Alors, on va continuer avec le complément de l'adjectif. Ça, c'est assez intéressant, je pense que, en tout cas, ça devrait vous intéresser. Le complément de l'adjectif, un adjectif avec une préposition, et la préposition sera « à », et un verbe à l'infinitif. Allez, regardons. Donc, bien sûr, l'idée sera d'avoir cet adjectif, d'avoir la préposition « à » et d'avoir un infinitif. C'est une construction très, très fréquente en français. C'est vraiment très fréquent, vous allez voir de quoi je parle dans une petite seconde. Allez, j'espère que ça n'est pas trop petit, mais en tout cas, l'expression, ou en tout cas la technique ici, c'est « easy to do ». Comment est-ce que vous pourriez traduire « easy to do » en français? Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Mohamed pose une question intéressante. Est-ce que les Français savent ou connaissent toutes les conjugaisons des verbes? Vous savez, Mohamed, c'est souvent... C'est intéressant parce que... souvent, les Français connaissent les formes des verbes parce qu'on les a appris oralement en général, et à l'école, on les a appris... on a appris ces formes-là, finalement, d'une façon assez systématique. Mais ils vont pouvoir les produire, mais si vous leur posez la question quel est le subjonctif passé de ce verbe-là, souvent c'est un petit peu stressant, ils n'arrivent pas à l'associer, mais ils pourront l'utiliser naturellement. Vous voyez, c'est souvent ça qui est assez intéressant avec les Français. Bien sûr, ils peuvent les utiliser, ils savent les utiliser. Pour le subjonctif, en général, il n'y aura pas de problème, ou pour les autres temps, mais l'idée d'associer ça à un temps spécifique, ça c'est une autre histoire. Et c'est souvent la différence entre vous, vous l'apprenez d'une façon complètement différente. Les Français l'ont appris principalement oralement dans un premier temps. Alors ici, effectivement, c'était donc facile à faire. Facile à faire, c'était ce que nous cherchions. Maintenant, la deuxième chose, difficult to announce. Comment est-ce que vous pourriez, eh bien, finalement, traduire ça en français? Allez-y. Alors c'est effectivement difficile à annoncer. Alors peut-être que c'est trop petit, je ne sais pas exactement ce que vous utilisez. Comme si c'est une tablette ou un téléphone. Si c'est un téléphone, clairement ça doit être très très petit. Et j'ai beaucoup de compassion pour vous. Mais en tout cas, je suis désolé. Allez, le prochain, simple to construct. Hein, c'est pour ça que je vais vous les donner. Simple to construct, comment est-ce que ça pourrait être en français ? Alors ici, effectivement, souvenez-vous que l'adjectif, eh bien l'adjectif c'est simple, le verbe, alors c'est construire, Omar a proposé bâtir, pas de problème, hein, pas de problème, on l'a vu, c'est un synonyme, et je dis bravo, parce que Omar, il a une très très bonne mémoire. Donc, simple à bâtir, simple à construire, les deux sont très bien. L'idée, hein, l'idée c'est vraiment d'utiliser l'adjectif et la préposition à, hein, c'est ce qu'on fait depuis le début. Hein, facile à faire, difficile à annoncer, simple à construire. Allez, hop là, on attaque avec le prochain et le prochain c'est funny to watch. Allez-y, funny to watch, comment est-ce que vous pourriez traduire ça en français ? Alors, je dis bravo. Je vois que Victoria Jacques, elle est en forme. Hein. Elle est très très en forme. Même si peut-être, et j'espère qu'elle a été dans les rues pour célébrer quand même les bonnes nouvelles. En tout cas, donc, plusieurs possibilités. Moi, j'ai mis amusant à regarder. Justement, Victoria Jacques avait mis drôle à regarder. Je l'accepte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors pas ridicule, hein, Yossi, hein, vraiment c'est un côté positif plutôt, hein. Donc amusant, drôle, oui c'était les deux options que vous m'offrez, donc il n'y a pas de problème, drôle à regarder, amusant à regarder, on est d'accord, hein, Victoria Jacques, ouais. Allez, donnez-moi s'il vous plaît la dernière chose, sad to listen, allez-y. Alors, regardons ensemble, vous êtes très efficace et ça c'est bien, donc effectivement notre adjectif c'est triste. On l'écrit, eh bien d'une façon assez simple, faites attention Reza, triste, masculin ou féminin, on va l'écrire T-R-I-S-T-E. Hein, vous savez, ce sera la même forme si c'est au masculin ou si c'est au féminin. Triste à écouter, je ne sais pas si c'est exactement comme la musique que vous entendez. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Donc facile à faire, difficile à annoncer, simple à construire, amusant à regarder et triste à écouter. Alors comme nous sommes des personnes très courageuses, regardez maintenant. Est-ce que vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en tout cas, la phrase. Donc là maintenant, on va reprendre les structures que nous avons eues. Mais nous allons essayer de faire des phrases avec « an easy job to do ». An easy job to do, comment est-ce que vous pouvez traduire an easy job to do en français? Allez-y, s'il vous plaît. Alors nous sommes d'accord, j'espère que vous voyez bien, c'est toujours ça le problème après en fonction de tous les supports que vous utilisez. Donc un easy job to do, on utiliserait un travail et ensuite on continue avec la structure qu'on a eue. Donc on commence avec un substantif, un travail, notre adjectif facile et après notre structure à faire. Un travail facile à faire. Allez, donnez-moi la prochaine chose. Et la prochaine chose, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est an information difficult to announce. Je vais essayer de les mettre en noir, mais c'est toujours un petit peu sportif. An information difficult to announce. S'il vous plaît, donnez-moi, eh bien, la version française. Allez-y. Alors, excusez-moi pour le petit retard, mais effectivement, une information difficile à annoncer. C'était très bien, j'ai essayé de tout mettre en noir. Donc, une information difficile à annoncer, c'est parfait. La prochaine chose, a simple house to build. Donc, on reprend les mêmes structures que nous avions, mais on les combine maintenant avec un substantif, bien évidemment. A simple house to build. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, Ada qui souffre. Non, je suis désolé, Ada. Je ne savais pas exactement si je devais me concentrer sur des gens qui principalement utilisent des téléphones, des tablettes ou un ordinateur. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça, ça arrive. Je vais m'adapter progressivement à vos supports. Alors c'est effectivement une maison simple à construire. Nous allons continuer et finir cet exercice, même si notre temps... Eh oui, les 70 minutes sont passées, mesdames et messieurs, mais nous sommes professionnels, nous voulons finir les choses. A fun movie to watch, comment est-ce que vous pourriez me traduire ça avec la même structure? Substantif, adjectif, préposition à et votre verbe, allez-y. Alors je suis en train de regarder, faites attention, donc effectivement j'en accepte plusieurs. Amusant, je l'accepte, quelqu'un veut mettre marrant, pas de problème. Marrant, on avait drôle aussi, je ne sais pas si vous vouliez l'utiliser, mais en tout cas les trois je les accepte. Donc un film amusant à regarder, un film drôle à regarder, un film marrant à regarder, tout ça c'est tout à fait correct. Pas de problème. Souvenez-vous que la construction, hein, c'est substantif. Ensuite, vous mettez votre adjectif, vous mettez votre préposition à et votre verbe à l'infinitif. Le dernier, a sad story to listen to. A sad story to listen to. Comment est-ce que vous pourriez me traduire ça, s'il vous plaît ? Alors faites bien attention pour le positionnement des adjectifs, puisqu'ici, comme vous remarquerez, les adjectifs sont toujours après le substantif, donc une histoire triste qui arrive après, à écouter, une histoire triste à écouter. Je regarde, globalement tout était bien, donc je vous dis effectivement, eh bien félicitations, c'était une histoire, attention c'est féminin, triste à écouter. The picture of the day is this one. It was really funny, I saw this picture and I thought I should share it with you, so please one sentence to describe the picture. Merci. Alors, Yesero is the first one to say, cette photo montre une rue qui ressemble à un serpent. Oui, c'est vrai, Yesero. I thought exactly the same thing. It's true, hein? And it's funny because we've got this verb serpenter, hein, which is based on serpent. Serpenter, this is exactly what the road is doing. Félicitations, Yesero. Albouga, je vois une rue dominée par des... Be careful, we don't really use tourne, we use virage, Albouga. Ensuite, Victoria Jacques, une belle photo des arbres d'automne. Dipti, j'adore l'automne. Louisa qui nous dit c'est très beau et calme. Uncle Ubik, I meant a route. Oui, d'accord, pas de problème. Albouga, d'accord. You start to discuss with each other now. Rita, alors Rita, qu'est-ce que vous nous dites? La beauté de l'automne. Remember, Rita, autumn, you write it O-M-N-E. Angelie, c'est un visage très agréable pour visiter pendant vos vacances. Visage, it's a face. I'm not sure that... paysage, probably that's what you wanted to write. Yasmine, c'est ici que je serai après la pandémie dans les montagnes. La Nora, il y a une route en spirale parmi les arbres. Really well written, la Nora, bravo. Daria, c'est un beau paysage, très paisible. La nature est tellement magnifique. It's true, c'est vrai, it's so beautiful, c'est vraiment très beau. Omar, c'est une excellente photo avec des belles couleurs. Julia, c'est ma route préférée, une route qui peut m'amener au paradis. Ça dépend quand on descend ou quand on monte. When you go down or when you go up, it's not the same. Véropole, une belle vue panoramique. Desarlika, il y a des gens qui prennent plaisir pour conduire dans les montagnes. Je ne sais pas s'ils prennent vraiment, vraiment plaisir. Ice Cube, c'est une belle image d'une route infinie entre les montagnes. Alors, basically, it's exactly the same concept in that situation. It will be le, d'accord? So, same concept, imperative, affirmative, one pronoun, and it's le. So, we'll try to make it fast now, okay? Because logically, you understood the logic of the way to put them. So, let's start with this one. Give it. How would you translate give it into French? Allez-y. Alors, in that situation, we agree that it's the same concept. You don't really need to think that much. It's le. So basically, your verb is donne, and after that, you will put le. Donne-le. You could put the plural if you want. Donnez-le. It's clear. So now let's go for say it. Allez, we'll try to go fast, hein? Alors, in that situation, as usual, we've got the two options. So whether you go for the singular, and then it should be dis-le. Remember to write it D-I-S. Hein? It's for the two form, so dis-le. Or then if you want to go for the, I mean, polite form, or the vous form, in that case, it should be dites. And we agree that you write it D-I-T-E-S. Dites-le. D'accord, donc dis-le, or then dites-le. Allez, do it. How could you say do it, well, in French? Alors, the verb is faire, of course, and so two options, whether it's for the singular, faire, remember, it will be written F-A-I-S, hein? Fais-le, or then you could put that in the plural form, in that case it would be faites, F-A-I-T-E-S, faites-le. D'accord? Fais-le, or then faites-le. Allez, let's have a look at take it. Another verb. Take it, how do you say take it in French? Alors, the verb is, prendre, remember, the form for tu will be prends, P-R-E-N-D-S, prends-le, or then it can be in the plural, I'm not sure if somebody, yep, somebody wrote it, which is totally okay, prenez, so remember to write it properly, P-R-E-N-E-Z, prends-le, or then plural form, prenez-le. Allez, let's continue, and it's learn it. How do you say learn it in French? Alors, très bien, one more time, remember that the verb apprendre belongs to the third group. So what does it mean? It means that when it comes to this imperative form, it's exactly the same form as the present of the indicative. So you write it exactly the same way. Apprends, remember, this is the way to write it properly. In the end, it's DS. So it should be there. The S should definitely be there. You don't pronounce it, but then it should be there. Apprends-le, d'accord? Or then, if you want to put the vous form, I mean, the plural form, apprenez-le, d'accord? Apprends-le, or then, apprenez-le. Allez, on continue, write it. Write it, how do you write? How do you, yeah, write it in French. Alors, so far so good, be careful Yasser, so remember, same thing here, hein? Écrire, it's actually exactly the same form as in the present of the indicative, so tu écris, accent aigu, C-R-I-S, it will be the same form, so écris, and then after that we put the pronoun le. Écris-le. Or then it can be the plural form as we had previously. It's écrivez-le. D'accord? Écris-le or écrivez-le. Allez, listen to him. How do you say that well in French? Alors effectivement, oops, I've been pressing. So it's écoute-le, same thing here. Remember the verb écouter, first group. And I told you for the first group, it's a tricky group when it comes to the imperative, because basically it means that your S from tu in the present of the indicative, you will drop it. Écoute-le. Or then it could be the plural form, écoutez-le. One more time, don't put lui here. Here it is really a grammatical object. We're not talking about a person or a thing, we're talking about a grammatical object. So écoute-le, it could be a sound or it could be a person. It's exactly the same thing. I'm saying that for Ice Cubes, for instance. Allez-y, let's continue. Invite him. Invite him. How would you say that in French? Alors non, Danish, I just explained, so I hope you understood. Écoute-lui, non, it's totally not correct, because basically écouter goes without a preposition. It's grammatical, it's not related to the fact that it's a person or an object, or a sound, it's just grammatical. Écouter, no preposition, so we're going for the pronom complément d'objet direct. Voilà, and it's exactly the same concept in that situation. Remember, invite-le. It will be the same concept. You go for le, it's not lui. No, 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 it's invite-le. If it's the feminine form, it would be invite-la, as we had previously, I mean in the previous exercise. So, invite-le, we could put, obviously, the plural form. You don't put that, so yeah, some of you did. Inviter would be totally correct. Invitez-le. Remember, invite for the singular form, no S. Regular verb, first group, the S drops for the first person of the imperative, so the tu concept. Allez, on continue. Look at him, look at him. Alors, Ice Cubes, yes, it's only COD in that case. It's only COD because this le is clearly the COD pronoun for the third person, for the masculine. We had the la and it was COD too, and this is the concept. We try to stay logical now, huh? Alors, tout à fait, félicitations. So in that case, it's the verb regarder, regarde-le, or then it could be regardez-le, no problem, everybody got it, félicitations. Oh, it's so nice when I can realize that you get the thing. Hein? Allez, thank him, how would you say thank him in French? Alors effectivement le verbe, so the verb is remercier, remember, remercier, it's a regular verb from the first group, so same thing here, if you put the tu form, so it will be remercie, drop the S, and then le. Remercie-le, you could put that in the plural form, remerciez-le, d'accord? Remercie-le, remerciez-le. Allez, call him, call him. Alors, Sundar is asking what is the difference between remercier and merci. Well, merci is not a verb. Remercier is the verb. So if you want to say I thank him, je le remercie. It's not possible to use it like that. I mean, merci is definitely not a verb. Alors, one more time, we had that for the feminine, so normally it should not be a problem for the masculine. It's appel, one more time, double L-E, remember, and then le. If it's the plural form, it should be appelez-le. Appelle-le, appelez-le. I mean, so far, everything is clear. So, félicitations, Yasser, be careful. The idea is to write with the le in that case. So, don't go for the lui. The exercise is with le, appelle-le. D'accord? Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez peut-être, c'est une nouvelle rubrique que nous avons découverte il y a quelques jours, je pense, en tout cas cette semaine. Le dessin du jour, puisque les Français aiment bien faire des caricatures et des dessins pour parler de l'actualité ou des choses qui sont actuelles de la société. Voici notre dessin du jour. Regardez, un Français sur deux étant surpris. Poids. Et donc, bien sûr, cet homme qui explique que si les pains au chocolat étaient moins chers, eh bien, ce serait plus facile. S'il vous plaît, une phrase pour décrire ou commenter le dessin que vous voyez. Allez-y, merci beaucoup. Alors, David qui me dit, vous parlez très vite. Oui, David, remember that we have the lessons on Monday and Tuesday. Monday, it's for beginners. And so I'm doing that in French and in English. And same thing for Tuesday. After that, Wednesday, it's the same. It's only in French. And I'm using my normal pace to speak French. And then Thursday and Friday, it's back to English and French. So you can mix, you can try, you know, the advanced like now, because it's advanced, so I am only using French. And this is the point. So after that, it will be beginners and intermediate. You can try to join. Merci. Alors, nous commençons avec... c'est Albouga qui commence et qui dit un homme bien costaud et très sale. Faites attention Albouga, faites attention avec l'adjectif sale. Pas d'accent, d'accord? Est-ce que si vous n'avez pas d'accent, ça veut dire que c'est le contraire de propre. Si vous mettez l'accent, comme là, salé, c'est connecté au sel. Ça veut dire que vous avez mis... du sel, peut-être trop de sel, d'accord? Alors, je ne sais pas ce que vous voulez dire, j'imagine que vous voulez dire sale, pas d'accent, d'accord? Éminente Euphorie qui nous dit stressant. Ah, c'est probablement pour votre journée. Victoria Jacques, c'est une photo de moi à chaque fois que je vais en France. Ah ben c'est ça. Hein. Quand oui je comprends, c'est un classique. Hein. Les gens qui vivent à l'étranger, qui vont en France, repartent avec quelques kilos en plus, c'est normal. Véropole, il est temps pour se mettre au régime. Yossi, avec l'âge, on prend de la brioche. Formidable Yossi, merci. Sundar, il mange beaucoup. Hen, 70, il aime manger. Luciana Moribé, vous avez changé le régime des Français. Ah, c'est le pain au chocolat. C'est le pain au chocolat, Luciana. Kittle, pendant le confinement, c'est plutôt des jours de fête et tester l'alimentation et oublier de parler de surpoids. Ah bah oui, mais c'est une réalité. Nous sommes conscients. Nous avons pris des kilos. Mais c'est pas grave. Rory, le dessin est très drôle parce qu'il y a un homme qui a mangé beaucoup de pain au chocolat. Eh oui, les pains au chocolat, c'est très dangereux parce que c'est délicieux. Ensuite, Curiosidades, cette image nous invite à nous soucier de notre mode de vie car notre santé reflète qui nous sommes. C'est vrai. Lisbeth, oh mon Dieu, il doit faire une diète. Peut-être, peut-être, hein. Mouskan, le pain au chocolat est délicieux. Mais en manger beaucoup n'est pas une bonne idée pour être en bonne santé, peut-être. C'est vrai, Mouskan. Victoria Possé, le pain au chocolat, c'est irrésistible. C'est ça le problème. Et un seul pain au chocolat, ça n'est pas vraiment intéressant. Il en faut au minimum deux, hein. Cosmina Bellou, cette chose est liée au fait que, à ce que nous avons discuté il y a quelques semaines concernant l'augmentation des ventes de McDonald's en France, alors c'est explicable. Eh oui, McDonald's ou pain au chocolat, on est d'accord que c'est un petit peu le même résultat. Liliana, cet homme est une bombe à retardement, il a exagéré en mangeant. C'est vrai qu'il a été un petit peu quand même. Il n'a pas été raisonnable. Widad, les gâteaux et les fromages français sont trop bons. Donc, c'est sûr que les Français vont avoir du poids. Omar, manger beaucoup, ce n'est pas bon pour la santé, c'est vrai. Maria Betania, je suis d'accord avec lui. Parce que toutes les pâtes font grossir et les gens qui mangent beaucoup. Je ne suis pas sûr que j'ai compris votre phrase, Maria Betania. Berilla 71, il s'agit des kilos causés par la quarantaine du Covid-19. Et c'est vrai, c'est bien, on peut accuser maintenant le virus pour les kilos en trop. C'est peut-être la meilleure technique. Bombil Lover, c'est vrai. Les aliments malsains sont souvent moins chers, mais les aliments français sont délicieux aussi. Et les pains au chocolat, oui. Annabelle Nouvelle nous rejoint. Bonsoir. MJ, ah, j'adore aussi le pain au chocolat. Bikert, je dois manger toujours le pain au chocolat parce que je ne prends pas de poids facilement. Eh bien, vous avez de la chance, Bikert. Bravo, bravo. Ada qui dit le chocolat gagne toujours. Ça, c'est formidable comme phrase. Le chocolat gagne toujours. Et ça, c'est vrai. Alors, ensuite, regardons. Jamila qui nous dit un grand ventre. Oui, ben c'est la générosité de la nature. Mohamed, salut monsieur. Ça va très bien, Mohamed. Participez au cours. David Solomon, merci Vincent. Je suis en train d'apprendre A2. D'accord. Morteza, il a faim. Et il pense à ce qu'il peut manger, peut-être du chocolat. C'est souvent le chocolat. C'est souvent le chocolat qu'on mange quand on a vraiment envie de se conforter. Ça fait partie des choses très, très sympathiques. Merci beaucoup en tout cas pour eh bien, toutes ces belles choses que vous m'avez écrites. So we've been starting yesterday with this new series that we'll do for well, few times, I guess. What do they think? Because I've been coming up with discovering some new drawings and cartoons, so I like them and I think it's usually quite nice. So what do they think? It's simple. We'll see some sentences and you will try to translate them into French. So you've got the illustration at the same time. So look at this beautiful drawing. Yep, I'm checking if you can see it. So, and the thing that you would like or you should translate is there is nothing better than camping. How could you translate that into French? Allez-y. Alors, je regarde vos phrases. Alors, personnellement, so for me, I went for the il n'y a rien de mieux, which is in most of the cases the expression like there is nothing better. Il n'y a rien de mieux, and after that, que le camping. Hilary Howell nous dit le camping est le best. Ah, il y a des limites quand même. Julia qui dit le camping ça roule. D'accord, d'accord, d'accord. C'est comme vous voulez, mais en tout cas, idéalement, there is nothing better than il n'y a rien de mieux que. Alors, Olga qui dit notre barbecue est délicieux. Ah oui, c'est pas la traduction quand même. Allez, on continue avec le deuxième. Le deuxième, c'est, regardez ça, Why are you looking at me? Comment est-ce que vous pourriez traduire? How could you translate that? Alors, I can see that you're starting to write your sentences, so let's have a look. So we agree that in that case we can go with the you, it's always the same thing, so we can go for whether tu or then whether vous. So if we go with the vous, pourquoi me regardez-vous? D'accord? Pourquoi me regardez-vous? If you go with the tu, which is totally possible, pourquoi me regarde, and remember that in that case, S in the end, tu. Pourquoi me regardez-vous? Pourquoi me regardes-tu? So this is the correct way to ask the question. But of course, as you know, it's possible if it's informal. Informal, it could be vous me regardez pourquoi? Pourquoi vous me regardez? So it's possible to change the order, d'accord? But in most of the cases, if you want to use it in a proper way, well, keep the order like that, and after that, you take the liberty that you want, d'accord? Hero King nous dit tu veux ma photo? Eh oui, c'est un classique, c'est un classique. Mais en général, après, hein, after you will have to fight, maybe, if you start to say something like that. Allez, let's have a look at numéro 3. Numéro 3, look. Life without a phone would be difficult. Life without a phone would be difficult. How could you translate that into French? Alors, je regarde. It's actually quite interesting because normally, remember that when you use the sans, you don't really need the article, in fact. So I can see that Ice Cubes was putting that without the article, and it's really good. The others, well, they were not really sure. In some cases, they will say, I mean, they were putting sans un téléphone. In French, we don't. In French, in most of the cases, you will drop the un. So, la vie, which is this one quite easy. I mean, you got that quite correctly. Sans téléphone. D'accord, so no article here. Serait, so I wanted to go with the serait because of course in that case it's le conditionnel présent. So this would, would be, serait. So remember for the ending it will be AIT because it's the third person from the singular. So serait AIT and then the adjective difficile. Normally it's not really tricky for you. So remember just the ending for serait because some of you, I mean, you were not really sure, you went for AIS or then, but go for AIT and remember. Serait difficile. La vie sans téléphone serait difficile. Allez, regardons le numéro 4. Numéro 4, eh bien, c'est I like to chat with him. I like to chat with him. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça? How could you translate that into French? Alors, regardons ce que vous écrivez. I'm looking at the things that you put. So, personally, I went for j'aime discuter avec lui. Some of you, I mean, you're putting bavarder, which is totally okay. I could even accept the chatter. Chatter does exist too. We've been putting the verb, I mean, in the first group, like we usually do for the new verbs that are arriving maybe from other languages. In that case, it does. So, j'aime discuter, j'aime bien. Hein, vous slat went for the j'aime bien, which is totally good. Hein, j'aime bien discuter, j'aime bien chatter avec lui. Alors, Vercingétorix, je kiffe faire du chat avec lui. Oui, alors, Vercingétorix, if you want to go with this informal French, in that case, you go all the way. So, je kiffe chatter avec lui. D'accord? In that case, instead of faire du chat, you just put the verb chatter. Je kiffe chatter avec lui. D'accord? Donc là, c'était bien. J'aime parler. Oui, parler, discuter, échanger, bavarder. We've got many options. Hein. Très bien. Allez, nous continuons avec... Let's continue with the number 5. Number 5, look, I'm finally on vacation. I am finally on vacation. How can you translate that into French? Alors, je regarde what you're writing, okay? So, many options here too. So, if you look at my version, I've been putting, well, this finalement right after the verb. Je suis finalement en vacances. If you want, you can start with finalement, no problem. Finalement, je suis en vacances. Berilla went with enfin, no problem. Je suis enfin en vacances, oui. Fiona Adams, enfin tout. Ouais. Be careful, Lisbeth. Lisbeth, enfin, it's in one word. Hein. It's not two words, d'accord? So, enfin, it's totally good. Same thing here, Julia. Be careful, enfin, it's in one word and not two words, d'accord? So, whether you go for enfin, or then finalement, Victoria Possé, à la fin... we go for the adverb, d'accord, and well, go for finalement. It's actually quite simple. Or then enfin would be perfect. Hein. Je suis enfin en vacances. Je suis finalement en vacances. Finalement, je suis en vacances. Enfin, je suis en vacances. Many options, d'accord. Or then yeah, decided to put finalement in the end. Je suis en vacances finalement. It's possible. In that case, if you put that in the end, you really want to emphasize that it was so hard to work on that, and finalement, je suis en vacances. Putting it at the beginning or in the end, it's just to emphasize this, this finalement. Let's have a look at numéro 6. Numéro 6, regardez, I don't know which one to choose. I don't know which one to choose. How could you say that in French? Alors, same thing here, I'm looking at your versions. So in fact, yeah, the main point here, it should be definitely in the singular form. After that, we'll have two options, whether it's lequel or then laquelle. In that situation, it's un panda. Un panda, it's a masculine noun. So basically, we should put the masculine form. The masculine form, it's lequel, d'accord? In most of the cases, you've been writing it quite properly. Roman, be careful. Hein? Lequel, one word, it's the pronoun. Hein? Je ne sais pas lequel. After that, whether you go for je choisis, like Tina said, remember, Tina, choisis ES in the end, or then you can put just the infinitive like I did. Hein? Je ne sais pas lequel, and then infinitive choisir. D'accord, I'm looking at the others. Shashank is saying bonjour, bonjour, bonjour. Then the others. No, it's good. It's good. You are on the right track. Félicitations. Let's have a look at numéro 7. Numéro 7, regardez. Voilà. The three of us work together. The three of us work together. How could you say that in French? Allez-y. Alors, regardez. So this is here my version. Nous travaillons tous les trois. Berilla, Adid and Fiona ensemble. Oui, no problem. Nous travaillons tous les trois. You could go for nous travaillons tous les trois ensemble. Vercingétorix, nous trois travaillons ensemble. It's possible. It is possible. Let me check the others. No, it's good. Yep, you went for ensemble, and you know what? I think it's even better. I mean, your version with ensemble is even better than my version because I wanted to go short, but maybe I should add like you did this ensemble, which is extremely good. Félicitations. Alors attendez, Roman, la 3 de nous travaille ensemble, les 3 de... Non, be careful, and that's the reason why I wanted to go with this thing, because we don't say les 3 de nous, like it would be like a straight translation in that case, and we don't go with this structure. In fact, it's not really tricky, it's tous les 3, d'accord? So, you will change after that, tous les 3, tous les 2, tous les 4, you just put the number after, d'accord? Remember to put two in the plural form, because the rest is plural. So, tous, T-O-U-S, you don't pronounce the S, les, and after that you put the number, d'accord? Tous les trois ensemble, why not? Nous, les trois, nous travaillons ensemble, Yasmine, not really, change the order, nous travaillons tous les trois ensemble. D'accord? Let's have a look at numéro 8. Numéro 8, oh mon Dieu, un peu de romantisme dans ce monde. We are in love. We are in love. Allez, s'il vous plaît, how could you say that in French? Alors, faites attention, be careful, because we don't, same thing here, we don't translate, whoops, straight, so we don't say nous sommes en amour, it doesn't exist in French. So, in fact, the way to do it, remember, you will use the verb être, so nous sommes, and after that you just put an adjective. And in that situation you will put the masculine plural or the basic plural if you want, so EUX. Remember this EUX, in fact it will go for the singular and the plural. So nous sommes amoureux. If you want to put that in the first form, it would be je suis amoureux, and basically you just write amoureux the same way. D'accord? So in that case, nous sommes amoureux. So, alors attendez. Omar is saying, on sommes tombés amoureux. Yeah, alors be careful, Omar, because this tomber amoureux does exist, hein, but it's really to fall in love, hein, this is the concept, hein, tomber to fall. Donc ici, ce serait plutôt nous sommes amoureux, we are in love, d'accord? Allez, on continue avec le numéro 9, let's continue with number 9, numéro 9, on y va. I will pay with my card. Remember, I wanted to put here... the future, or then it could be the near future. It's up to you. Go for the near future or the future. I will pay with my card. I am going to pay with my card, just like you want. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, let's have a look. So, my version is a simple one. Je vais payer avec ma carte. So, after that, we can negotiate because, as I saw, some of you decided to say par carte, which is totally correct. D'accord? Je vais payer par carte. So it's possible. I saw that Cosmina Bellou put carte bleue. Hein? Ma carte bleue, and it's true that in most of the cases you will use carte bleue, even if now, I mean, little by little, I mean, this expression is less and less used, I mean, among the young, I guess, so payer par carte, it's one option. Or then, je paierai, some persons wanted to go for the real future, which is extremely good, and brave. Bourneville Lover, félicitations. Berilla 71, bravo aussi. So you can go for the real future. Remember that in that case, if you go for the real future, catégique, be careful, the Y changes and it's E. Remember, all these verbs, the tricky verbs from the first group with this Y, they're a bit tricky. You should look at the conjugation if you've got some doubts. So carte bleue is an option, as Ada and Cosmina Bellou said, or then carte, tout simplement, preposition as we saw, avec, or then par. Allez, let's look at the last one, if you agree. Numéro 10, where does my plane leave from? Where does my plane leave from? Well, how could you say that in French? Allez-y. Alors, I'm looking. Sundar is asking why. You know, in French grammar, in some cases, it's not good to ask why, because sometimes there are some reasons, but sometimes there are no reasons at all. So this is just the rule. It's just the rule. And in fact, the thing is that, well, basically the way it will be, you will combine this E with the vowels that come before. So it means that for the pronunciation, it will be impacted. So it's je paierai. D'accord, je paierai. And I guess that the E, in a way, it makes a full stop, not to somehow, you know, combine that with something that could come after. But it's one explanation. And the idea is just to learn that by heart. It will be better for you. So look. In that case, we agree that we need to have, in fact, we need to have the from concept. And remember that in French, the from concept, it's a preposition and it's de. D'accord? We agree that de can be used in other contexts for other uses, but this de in that case is, in that situation, this context, the from meaning. So de, and then after that you combine it with ou. Obviously, U is starting with a vowel, so it means that E will have to drop and you will put the apostrophe, d'où, d'accord? D'où part mon avion. So this is the simple way. If you want to go for vol instead of avion, no problem, you can use that too. But then the main point is really to use and to continue using this do concept. After that, remember that the verb partir should be conjugated in the third person. So it means that it should be written P-A-R-T, d'accord? Donc par, on prononce. Je regarde, I'm looking at your things. No, it's quite good. Départ, my departure. Catégique, I'm not really sure about your sentence. I think that it's a bit too tricky. D'accord? D'où mon avion, and then remember that départ catégique, it's the noun, it's a substantive. Le départ, the departure. You want to use the verb, and the verb is partir, and you conjugate it. D'accord? Allez, merci beaucoup. C'était formidable comme exercice, non? Moi, j'ai bien aimé. I enjoyed it. I think it was really good. And congratulations, because your translations, your sentences were really, really good. Bravo. Alors, as we usually do for the beginners and intermediate level, we do some translations. So I think it's always useful to see exactly some words. And so I try to put them by theme. Yesterday it was the fruits, and so today it will be in the bathroom. So we'll have, if I remember correctly, 10 or 11 words. So it's extremely simple. We'll do it exactly like you can see. The first one will be a shower. How can you translate a shower into French? Don't forget to put the article un ou une, just to know, I mean, if it's masculine or feminine. So you can start right now. Alors, let's have a look at your answers. And, well, of course, it's not really difficult. It's douche. So let's agree that you write it D-O-U-C-H-E for the pronunciation. Remember, when you combine O and U together, you get the sound OU, which is extremely round. So once again, let me show you, because when it's for the intermediate and beginners, I will try to emphasize a bit on the pronunciation. So O and U together, it's ou, ou, ou. It should be round like that, d'accord? It's feminine and it's une douche. So we can continue with the next one. The next one is, well, number two, numéro 2, and it's a bathtub. How could you translate a bathtub into French? Remember, put the article. Thank you. So I can see that Noah Haruna is participating for the first time. Vous participez pour la première fois. So welcome to the class. You will see that the spirit is good and people are really nice. So in that case, you can see that it's extremely simple. You just need to give the translation of the words and then we'll have different type of exercises. Merci. Alors, we agree that in that case, a bathtub is in fact une baignoire. Hein? Un bain, it's what will you will take, so it's a bath. Hein? In that case, we're talking about the thing, the place, and it's une baignoire. So keep in mind that it's it can be a tricky one, so I will just put some colors so that we can understand together. So this is blue. So when you combine these two letters, G and N, you get the sound nye, 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 nye. Okay, so nye, baigne, baigne. So, and then the other thing, remember, when you will combine O and E together, so I will put that in red, you get the sound wa, wa, wa. So, nye, 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 with wa, 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 it will give you nua. Baignoire, baignoire, baignoire. So we agree that I didn't highlight the first one because, well, I think that normally it should be okay for you, but let's do it properly. So remember, A and E together, it's E. Then after that, G, N, N, O, I, Wa. Baignoire. Une baignoire. And une baignoire, it's always a nice place to relax. Une baignoire, let's see, the numéro 3. Numéro 3, well, the toilet, how would you translate the toilet if you have some toilets? Because in some cases it's possible to have it in the bathroom. Allez-y. Alors, I can see that your answers are arriving. Remember one important thing, because I've been explaining that before, but the idea in that case, of course, it's toilette. It's not really tricky, in fact, don't forget WTE. But the important thing that you need to remember is the fact that it's plural. So we're using the plural form to speak about the toilet. D'accord? Les toilettes. Go for the plural, because if you put that in the singular, as I explained, you're talking about the dress and the way a woman will be dressed. So it's totally different, and in that case, it's extremely important to put the plural form. D'accord? Les toilettes. So be careful, hein? Not the singular. Not the singular. Allez-y. Numéro 4, ça continue. Sink. So remember that in that situation, we've been seeing the sink in the kitchen, and it's not the same name. Remember, in the kitchen, it's another name. Now I want the name for the bathroom. Allez-y. Albouga is asking, does somebody know why it's plural and plural for les vacances? It's just because the words are existing already in the singular form, and basically the plural form has another meaning. This is just a concept. Alors, félicitations, bravo, I can see that in most of the cases you give me the proper thing. Just remember that, Victoria Jacques, you've been writing un évier. And yeah, we were saying that un évier, remember, it will be in the kitchen. So it's exactly the same thing, we agree. So un évier, it's in the kitchen, but if it is in the bathroom, it will be un lavabo. D'accord? Lavabo in the bathroom. If you've got some separate toilet with this sink too, it's also un lavabo. D'accord? Un évier, it will be in the kitchen. So this is the difference. Let's go for numéro 5. And numéro 5, it's a mirror. How would you translate a mirror into French? Alors, I'm looking at your answers, and so far so good. So in fact, look at it. So it's masculine, it's un. And then the word is miroir. So remember, once again, so I will just put a little bit of color in the thing here. When you combine, it was the same for baignoire, remember? So O and E together, it becomes wa wa wa. So mi roi, miroir. Don't forget the last R, not too strong because it will hurt your throat. So, un miroir. It's really, really thin. Un miroir. So let's have a look at the next one. And the next one, look, it's numéro 6. Numéro 6, a towel. How could you translate a towel into French? Don't forget to put, please, the article, whether masculine or feminine, a towel. Alors, let's have a look together at the word. So you've got two options. I mean, it's the same option in a way because it's une serviette. So it will be the first option. Une serviette would be a towel. Or then, if it's a bit longer, remember, in that case, this is the one that you use when you get off the shower or the bathtub. Then in that case, it's une serviette de bain. D'accord? So, but then the same thing here. It will be une serviette. Remember that when it comes to the pronunciation, in fact, well, look, when you have a double consonant, like in that case, double T, d'accord? It means that your I mean the that comes right before, I'm going to put that in a different color, like blue here. It means that your in fact, will be open for the sound. So it won't be as it should be normally, but it will be eh. So you can see that it goes high. So, et, une serviette. And the last thing that is important, this sound, it's so common and you can write it in so many different ways. This is one option here. A-I-N will be pronounced same thing as I-N, for instance. Same thing as E-I-N, it's okay? No N, so because basically it's nasal once again. So, une serviette de bain. Une serviette de bain, it's a towel. Allez, on continue. Youpi, numéro 7. Numéro 7, it's a bathrobe. How could you translate a bathrobe into French? Don't forget the article. Merci. Alors, we've got two options, in fact. The first option would be une sortie de bain. We don't use the robe concept in that case. It's quite interesting that, well, it's not the same concept. In fact, une sortie de bain is the word that we can use, or the expression that we can use. Or then the other one, I mean, the one that some of you have been giving me, it's un peignoir. So in that case, it's masculine. And then une sortie de bain, it's feminine, doesn't impact, it's your choice in the end. When it comes to the pronunciation, une sortie de bain, well, it's not really tricky. Remember one more time that when we have A-I-N together, as we had previously, it will be the sound un, it's nasal. Une sortie, so remember final A is totally inexistent, you don't pronounce it. Une sortie, and then de bain. D'accord? Une sortie de bain. And the other one, well, it's not that far from the sound that we had previously, because remember, we had une baignoire. So in that case, it's peignoir. So first the GN, one more time it's nye 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 nye. D'accord? Then keep in mind that E and E together, I will put that in green to make it more beautiful. E and E together, the sound is E, extremely open. E, E, E. Like the one that we have, you know, with the accent, accent grave, or then when it's before two consonant, it's the e, e, e sound, extremely open. And the last one, it's this one, the o, e together. So o and e together, I will put that in red. It's wa, wa, wa. So peignoir, peignoir. Un peignoir, well this is the thing that you can use. So, une sortie de bain, or then un peignoir. Allez, let's have a look at the next one. Numéro 8, a shampoo. What is a shampoo in French? Allez-y, je vous attends. Alors, in that case, we'll see. It's a funny. It will be probably the funny word of the exercise that we have. So look at. Whoops! I've been too generous. There is only one. There is only one O. So look at that. You will write it. In fact, like that. So remember that when you combine A and E together, like here, you will pronounce it, it's a nasal too, it's just like A and N, so the thing is going in your nose, so it's en, 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 so chant, 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 un, chant. And then after that, so this O-E-N together, let's put that in blue. If it's possible, yes it is. So O-E-N, it's ouin, ouin, ouin. Same thing here, it's nasal, so it goes in the nose. Ouin, ouin. You can see that it's totally blocked, so it means that the air doesn't go out because everything is going in your nose. Ouin, ouin, ouin. So, un chant, point. Final G, in fact, is not pronounced at all. So the G, let's put that in red here, you don't pronounce it at all. D'accord? Un shampoing, it's a shampoo. Remember, it's masculine. And this is the proper way to pronounce it. Shampoing. Allez, let's have a look at numéro 9. Et numéro 9, it's a shower gel. How could you translate a shower gel in French? Merci. Alors, in that case, it's not really tricky because, as you can see, it's quite simple. Gel, it's a masculine word, so it's un gel. Remember to pronounce it with this open sound, e, 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 gel. And then the other one, it will be douche. Remember that une douche, we saw that it was shower. So, in fact, O and U together, one more time, it's ou, ou, ou. Remember, and then, oops, I don't know, one second, And then when you combine C and H together, you get the sound sh, sh, sh. Douche, douche, un gel, douche. And many persons have been asking me why in English they're using this name, une douche, with a terrible, terrible meaning. I've got no clue. I have no clue. In French, une douche, it's just a shower. It's a nice, nice thing. So I don't really know. Numéro 10, let's continue. A toothpaste. How could you translate a toothpaste into French? Merci. Alors, let's have a look now. And so in that case, a toothpaste, as you can see, it's un dentifrice. I can see that, yeah, in most of the cases, you're right, it did properly, whether un or then le, of course. So the only tricky thing here might be, as usual, the nasal. Remember that when you have a and n together, the sound is en, hein? So please don't put any n. En, un, dans, dans, dans. Un dentifrice. Final E, as usual in French, when it's like words like that, you don't pronounce it. So final E here, I will put that in blue. In fact, you don't pronounce it at all. So the last thing that you will hear will be the S. Un dentifrice. You can see, I make it longer, of course, but it should be short. Un dentifrice. Voilà. Ok, alors merci beaucoup. Je ne sais plus. I don't really know if there is... Oh oui. There is another one. Another one. Oh yes, of course. Of course, this one. The thing that should be definitely in your bathroom. A perfume. How would you translate a perfume into French? Alors, there is Johann Four, who is extremely, extremely hungry, because basically, I don't really know. Why do you start to swear? I will click on you. Sorry about that, Johann. You need to relax. You need to relax. Here, the spirit must be good. We don't say bad words because it doesn't help anything. Allez, let's have a look now at the, well, the translation of a perfume is in French, un parfum. Alors, let's take the time together, because it's a common thing and it's a common mistake for persons to start to say and then after that they're not really sure with the ending. So look, I'm struggling with the thing, of course, because it's quite short. So let's put it like that. I will put this combination in red. Look, when you combine U and M together, so we agree, we're not talking about if there is after a vowel or the sound of a vowel, just like that, d'accord? So it will be a nasal again. So basically, U and M together sound exactly the same way as U and N. And it's the key. So it means that in that situation, you will pronounce it like un, 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 un. Parfum. And it's extremely funny. If you think about that, I will put the article in a different color. I will put that in blue. But in fact, no. That's me. Huh? Okay. But in fact, look, the first one, blue, and the second one, the red, you pronounce them exactly the same way. Un, un. Okay? Un parfum. This is really important because in most of the cases, people tend to start to pronounce it not really parfum, but it's something like parfum, something like that. Non, 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 it's really nasal. Un parfum. Voilà. Eh bien, écoutez, bravo et merci. Nous continuons. Youpi, youpi. Let me click and it will be... Voilà. Don't forget to like and share. You're 122 and I've got only 69 likes. Oh, 68. Somebody didn't like. Alors, let's continue with something that is actually quite funny to do, I think. It's the exclamatory structures with que. D'accord? So it means that in all these structures that you will give me, you will have to use que. D'accord? So let's agree on that, and then we can start with the first one. The first one, how good this is. How good this is, how could you, well, express the same thing in French with que. I want que all the time. D'accord? Allez, je vous attends. Alors, Anna, est-ce qu'on a déjà terminé? Non, monsieur, on commence. We're just starting. Alors, oui, I'm looking at your sentences and it's clear that in that case, so as I told you, we start with que. Then after that, the verb should be definitely in the third person of the singular, c'est. And then you put your adjective, and your adjective here, this good concept, remember it's bon, somebody has been writing beau, but beau, it's more like beautiful, it's more aesthetical. So in that case, it's bon, que c'est bon. Keep in mind that because this structure is like that, it will only ask for a masculine adjective. So Patricia, no, it's not que c'est bonne, it will be just the masculine. Remember one thing, that in French, in fact, this masculine form, when I'm talking about the adjectives, for instance, it's not really the masculine form, it's the basic form, in fact. So it means that for all these adjectives, when I say the masculine, it's somehow the basic or the neutral one. After that, when you will put the feminine, you will add things. When you will put the plural, you will add things. So this bon, in fact, it's the basic. So que c'est bon. Reza, it's not beau. Remember, beau will be beautiful. Here, it's really bon. Let's continue with the next one. How beautiful, and then some of you will be extremely happy. This is, tell me that in French, please. And keep in mind that que should be there, and the structure should be with adjectives in the basic form. Allez-y. Alors, one more time, one little remark to... alors, attendez, Sai Krishna. Sai Krishna, remember, maybe you just joined. Remember that what I just explained before, in these structures, we will use the basic form of the adjective, the masculine form. So in that case, it should be beau. Huh? So this is a classic. When you go for c'est will be always followed by the masculine. Huh? So que c'est beau. here. D'accord? Que c'est beau. It seems that everyone is giving me the proper answer. Kirill, be careful. Don't go for bon, hein, because we went for bon before. Now it was beautiful, so it's beau. Allez, let's go for the next one. How big this is. Same structure, que, and then, of course, an adjective. Alors, when it comes to this dimension, of course, it's different because big in English, or we can translate it with grand or then gros. Well, in that situation, you would more go for the grand. Gros can have, well, it can have a negative connotation, this gros. So you need to be careful with that. But how big this is, que c'est grand. Some persons want to go for gros. Of course, it will be contextual. It's according to the context, and in some cases, yes, you can use big to express this gros adjective. So let's have a look at the next one. How small this is. So continue. Let's have a look at your things. So yeah, we agree. So it's well, now you don't make any mistakes. Félicitations, c'est très très bien. So we keep the same structure, que. After that you go for c'est, and then you put the adjective, and it is petit. Que c'est petit. So I guess we can go a bit faster because now it seems that everyone understood it. So, allez, let's go for how ugly this is. How ugly this is, how could you say that in French? Alors, here we've got two options, and let's agree on that. When usually I'm giving you an option, I will give you the standard French, because I think it's extremely important to start from that, and after that take some liberty with the language. It's totally okay. So the standard way to say ugly is laid. L-A-I-D, so the adjective is laid like that. If you put the feminine form, it will be laid. D'accord? So, of course, you're offering me moche, which is totally, totally correct, but let's agree on that. It is spoken French. So it means that you really need to be careful with the context. And if the context is extremely formal, if you're with adults, if you are in, let's say, a professional context or situation, be careful with these words. So, les would be, and it's not really nice in fact, but it would be at least standard or formal. So let's go for the next one. How bad this is. How bad this is. Could you write that in French? Merci. I can see that your answers are arriving. So one important thing, remember that we go for the adjective. So it means that we won't put mal. Remember that mal is an adverb. It's not an adjective. So I would like the mauvais there. And as we did previously, mauvais should be in the masculine or the basic form, so M-A-U-V-A-I-S, que c'est mauvais, d'accord? Allez, on continue. How expensive this is. How expensive this is in French, go for it. Alors, I'm looking and effectivement, be careful, Ouria. Ouria, remember to always, for these structures, put only the masculine. You don't even have the option of the feminine. As I explained, with the se structure, the adjective will be always in the masculine. Sundar. Yeah, you don't put any feminine form here. Whether you're talking about an object that is masculine or feminine, or you're referring to something that is expensive but it's masculine or feminine, it's not really important at all. This structure, as I said, will be like totally neutral in a way. How expensive this is, same concept in English. You don't put the gender. You just, you know, just go for this neutral reaction, que c'est cher. So remember, cher, you will write it C-H-E-R. That's the way it goes. Allez, let's continue. How funny this is. How funny this is. I wait for you things. So remember, que, and then let's keep the adjective in the masculine form. Merci. Alors oui, effectivement. Alors I could go for personally I went with drôle. I can see that Beatrice Christiana is offering also amusant, and it's totally correct. You could put amusant, que c'est amusant, que c'est drôle. If you even want to go to this register. Well, we could go for rigolo as well, rigolo, but it's once again, it's like spoken and mostly used by children. So drôle, formal, amusant, formal too, and then rigolo could be another option. Voilà. Cosmina Bellou went even for marrant. Ouais, marrant is a good possibility too. So. We've got several options there, but still keep in mind that all your adjectives must be in the masculine form. Allez, on continue. How handsome he is. Alors, now you need to be careful, because now, and this is interesting, now we are changing, because as you can see in the English structure, you are introducing the he. So it will be exactly the same thing in French. So we will go for que, and after that we're not using the s for the verb, but we'll use the il, and then the verb est, and finally your adjective. Remember, e and i, they don't get along, so basically you will end up with this form, que, you drop your you put the apostrophe, you put your subject, qu'il, est, and now you put your adjective. Because the subject is il, it will be beau. D'accord? Just to check, could you please give me, well, because I didn't prepare that, but it's the little bonus, could you transform this sentence here in the feminine form, just to see how you would say exactly the same thing but in the feminine? So how handsome she is, or how pretty, let's say, how pretty she is. How would you say that in French? Allez-y. Voilà, donc c'est clair, hein? Pas de problème, be careful Lisbeth, hein? It should be qu'elle, hein? As you can see. So now we are exploring the other persons, obviously. So we had first the third thing, so this neutral one, and now we're going for the, in fact, il and elle. Qu'il est beau, qu'elle est belle, d'accord? Let's continue with how tall he is. How tall he is. If you want, you can even put the feminine form at the same time. It's up to you whether just a masculine or masculine and feminine. D'accord? Allez-y, s'il vous plaît. Alors oui, effectivement, très très bien. Hein? So in that case, we're talking about the size of a person. So Yossi, we won't really go for haut. In that case, we're using grand, d'accord? Hein? Qu'il est grand, and then the feminine form would be qu'elle est grande. And in that case, obviously, your adjective will be in the feminine form. Victoria Jacques was extremely generous, merci beaucoup, because she's been giving the masculine and the feminine, as well as Sandra and Yasmine too. Thank you very much. So we agree. So don't go for haut in that case when you're talking about the size of a person, but you use grand or then grande. D'accord? Allez, let's continue. Same thing here. If you want, you can just give the masculine or masculine and feminine. How smart he is. How smart he is. Allez-y. Alors oui, effectivement, hein, Cosmina Bellou is the first one, Ada second position, Sidant is right after, so we agree that in that situation it's intelligent, hein, donc qu'il est intelligent, qu'il est intelligent. So now we'll go in the same logic because I realized that my slides were of course covering the feminine after. So let's go. Ah no, not yet the feminine. Sorry. It's still the masculine. How polite he is. Excuse me for that. Alors, c'est Krishna is asking au féminin, c'est quel... Oui. We will have a look at that in 1 second, c'est Krishna. Sorry, because it was... the slides are coming right after. Sorry about that. Alors, et oui, bien sûr, et la politesse, c'est important. So the adjective is polish. Remember that we write it only P-O-L-I. Oh, merci beaucoup, Fernanda Garcia. Thank you so much. So it's a lot of coffee now. I will drink coffee like that day and night. Alors, merci beaucoup. So let's have a look now. So, qu'il est poli. So you had the proper form. Manière, no, not really. It's really poli. Remember that in that case, poli, it's the masculine. Anna has been giving poli in the feminine form. Be careful. If it's il, the subject, and in that case, your adjective will be in the masculine. Alors, now, let's go for the feminine. And now the feminine is coming. So, how good looking she is. So, we will repeat that. It will be fast now. It will be fast. Alors, Sundar is asking, why don't you use c'est for il? Well, because c'est, in that case, you've got the verb être, but then you've got the subject. The subject is your c'est apostrophe. So remember, it's whether ce or ça. But in that case, the subject, it will be il or elle. So you just put the verb after. So remember, que, then your subject, elle. Obviously, you've got the two next to each other. So, from your que, you drop the you put the apostrophe, qu'elle, you put your verb, elle, third person of the singular, and your adjective. So, let's agree on that. We could go for belle. I've been putting the basic one, the classic one, belle. I could agree on jolie. Jolie would be an option. Bikert is asking mignonne. Totally possible. Mignonne is totally okay. Once again, mignonne, same thing. Go. Be careful of the context, because in that situation, when you're talking about adults, if it's formal, go for belle. It's the best option. D'accord? Mignonne, you've got the feeling that you're talking about maybe youngsters, people who are younger. And we all are young, bien sûr, but still be careful. Belle, classic, jolie next, and then mignonne. Tenzin is offering canon. Canon, it's the same. Just go, be really careful when you want to use that. Alish, how tall she is. Remember, the size, how tall she is, it should be extremely fast now. Sai Krishna is asking, is it possible to write gentil instead of poli? These are two different things. Gentil is really kind and poli is polite. So basically, you can be extremely kind and rude. So it's. I mean, we're talking about two different things, d'accord? They are close. We agree. They are quite similar, but still they are slightly different. So in that situation, yes. I mean, you've been giving me the proper answer. So it's grand. That should be in the feminine form. So it's grande. Quelle est grande? Ada, mignon is cute. Yes, yeah, it's cute. Huh? So you can feel the difference between beautiful and cute. It's exactly the same difference that we have between belle and mignonne. Hein? Ce sera la même différence. Voilà. Be careful, karma. Quelle est grande? Your adjective must definitely be in the feminine form. Patricia, c'est parfait. Alors, nous continuons. So let's continue. How smart she is. How smart she is. Could you give me, please, the French version? Alors, oui, tout à fait, pas de problème. So now I can see that everything is clear. So everyone is giving me the correct form. Well, Reza might be the exception. Be careful, Reza. Put the feminine form for your adjective. So it should be intelligent. It would be nice. Intelligente. Quelle est intelligente? And I think this must be the last one. Just to keep exactly the same adjective that we had for the masculine form. How polite she is. How polite she is. Alors, I am looking at your forms. Remember that we had the basic form. Hein? The masculine form of poli was poli, P-O-L-I. We agree that the mark of the feminine, normally, we've got some exceptions and we know that, but normally you add this final E to your adjective to have the feminine form. And in that case, it works perfectly. So it means that your adjective will be written P-O-L-I. O-L-I-E. You don't pronounce this final E. So basically, phonetically, masculine form or feminine form will be pronounced the same way and it will be poli. D'accord? But you should definitely write it. Quelle est poli? Quelle est poli? Merci beaucoup. Merci, merci. Allez, finissez la phrase, s'il vous plaît. Quelle bonne idée de... Finissez cette phrase avec ce que vous voulez. Alors c'est Elzahar qui commence et qui... Quelle bonne idée d'aller manger maintenant. Est-ce que vous avez faim? Mouskan, quelle bonne idée de rencontrer Vincent en France ensemble. Avec plaisir, avec plaisir. Je suis toujours très très prêt et heureux de rencontrer des gens et je serai très heureux de vous rencontrer et de prendre un verre avec vous, bien sûr. Han70, quelle bonne idée de rester dans mon lit. C'est vrai, ça c'est pas mal. Oh, moi je l'ai fait plusieurs jours hein, et c'est vraiment un plaisir incroyable, rester dans son lit toute la journée. Yesero, quelle bonne idée de se promener dans la ville aujourd'hui, car le temps y est beau et magnifique et les gens sont heureux, eh oui. Victoria Jacques, quelle bonne idée de boire une bonne bouteille de vin entière aujourd'hui à cause du bonheur. Attention Victoria Jacques. Modération. Modération quand même. Modération avec le vin. Luciana Moribé, quelle bonne idée de se détendre le week-end, c'est vrai. Fernanda, quelle bonne idée de se reposer ou de se reposer dans le jardin avec un café. Oh, ça c'est incroyable. Si le temps est très agréable, pas trop chaud, pas trop froid, avec un bon café, c'est formidable. Ada, quelle bonne idée de créer vos cours. Vous nous aidez beaucoup. Bah, c'est mon plaisir, Ada. C'est mon... Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. David, quelle bonne idée de manger chaque cuisine que j'ai affamée. Je ne suis pas sûr, David, d'avoir compris. Je ne suis pas sûr. Annabelle, quelle bonne idée d'être le parfait lieu pour chercher le meilleur. Oh! J'ai l'impression qu'Annabelle Nouvelle veut faire dans la philosophie aujourd'hui, mais je ne suis pas sûr. Desarlika, quelle bonne idée de rester et d'apprendre le français avec Vincent, car ça me fait plaisir d'être ici. Mais moi aussi, ça me fait plaisir d'être avec vous, Desarlika. Ice Cubes, quelle bonne idée d'apprendre le français ensemble avec des exercices. Eh ben oui, ça me fait plaisir d'être aussi avec vous. Victoria Possé, quelle bonne idée de prendre un café après le cours. Alors Victoria, ça c'est une grande question, le café c'est une affaire très sérieuse, il y a différents types de café et est-ce que vous préférez le café noir, arabica, robusta, avec du lait, de la crème? Tout ça, c'est des questions qui sont des questions très, très, très sérieuses. Yossi, quelle bonne idée de se rencontrer ce soir. Lisbeth, quelle bonne idée de sortir avec... Alors attendez, de sortir et partager un bon vin avec les amis. Lisbeth, vous pouvez sortir avec Victoria Jacques, toujours prête à partager son vin. Bikert, quelle bonne idée que nous soyons ensemble avec vous sur YouTube. Ben, ça me fait plaisir. Cosmina Bellou, pardon, quelle bonne idée de me cacher derrière la feuille. Alors ça, je ne comprends pas. De me cacher derrière la feuille. Là, il faudra développer. Il faudrait développer. Là, je ne comprends pas. Véropole, quelle bonne idée de prendre l'apéro après le cours de Vincent. Ah, vous prenez l'apéro après? Eh ben, bravo. Alors, c'est une nouvelle rubrique. Attention, attention. Je me suis dit que, so I told myself that it could be interesting, in fact, to start to work with real documents and not only my voice and what I am about to say. So, it means that in that case, well, I mean, the concept is learn French with the stars, because in that case, we will work with Juliette Binoche. D'accord? So the idea will be quite simple, in fact. I've been just taking 5 sentences that Juliette Binoche used during interviews. So this is her voice, this is her speed, this is her way of talking. And we will work on that. So it means that I've been putting the audio file, so it will loop. And of course, well, the idea is to try to work a bit with it. So look at that. This is the first one. So as you can see, I've been putting well, what she's saying, but as usual, I've been removing some words. In that case, maybe I've been removing too many words. I don't really know. We'll see. Ice Cubes is joining us. Bonsoir, Ice Cubes. You're right here for the first real exercise, or it's the second. Alors, attention. So now I will start the press. I will start the play button, and you will have to listen carefully to what she says. I will make it loop maybe 4, 5 times. We'll see. It's the first time that we do the exercise. Technically, I will see if it works too. And so we can start. So get ready. It will go fast, but it will loop at least 4 or 5 times. OK? On y va. Moi, mon rêve, c'était pas de jouer aux États-Unis, c'était de jouer dans le monde. Moi, mon rêve, c'était pas de jouer aux États-Unis, c'était de jouer dans le monde. Moi, mon rêve, c'était pas de jouer aux États-Unis, c'était de jouer dans le monde. Moi, mon rêve, c'était pas de jouer aux États-Unis, c'était de jouer dans le monde. Moi, mon rêve, c'était pas de jouer aux États-Unis, c'était de jouer dans le monde. Alors, did you have the time? Because it was extremely fast, and I told you we are exploring that together, because maybe it will be one exercise that we can continue, or then, if it's too difficult, then we'll switch that and we'll do only this exercise for the advanced group or the advanced class. So let's have a look at what you got. All right, so now I will give you, in fact, what she said. And if you look, it's moi, mon rêve, c'était pas de jouer aux États-Unis, c'était de jouer dans le monde. All right, so these are the things that were missing. Rêve, jouer, était, dans, and then monde. Monde was a bit tricky because it ends like quite abruptly. So the tricky thing, if you look at what she's saying, is the c'était. Because as you can see, in that case, she's been dropping the N, so the first part of the negative form. D'accord? So it's not ce n'était, but it's c'était. All right, so let's take the time now to listen to it one more time, or maybe a few more times, and read at the same time. Okay, so it will be extremely good, because you can see that her pace is quite fast. Moi, mon rêve, c'était pas de jouer aux États-Unis, c'était de jouer dans le monde. Moi, mon rêve, c'était pas de jouer aux États-Unis, c'était de jouer dans le monde. Moi, mon rêve, c'était pas de jouer aux États-Unis, c'était de jouer dans le monde. Moi, mon rêve, c'était pas de jouer aux États-Unis, c'était de jouer dans le monde. Alors, I hope you're ready, because, of course, the torture will continue. We've got 5 sentences. So let's go for the second one. The second one is like that. So I will give you a few seconds to just, I mean, look at the structure, get ready, and then, of course, we'll start to listen. So the same way, I guess, I think that if it can be maybe 4 or 5, I will see. D'accord? It is fast. Spiritual Weapons is saying that c'est très rapide. Oui. It is, but that's the only way to work on that. This is the only way. So we'll work in the future on, well, persons like that, and news too. News, so it's the best way. So I will just limit that to 1 or 2 sentences, and we'll work on that. And this is the way to really to get, you know, ready with this pace. So we can start now. Je crois que l'acteur, il doit aller vers le nouveau, vers savoir sauter dans l'inconnu. Je crois que l'acteur, il doit aller vers le nouveau, vers savoir sauter dans l'inconnu. Je crois que l'acteur, il doit aller vers le nouveau, vers savoir sauter dans l'inconnu. Je crois que l'acteur, il doit aller vers le nouveau, vers savoir sauter dans l'inconnu. Je crois que l'acteur, il doit aller vers le nouveau, vers savoir sauter dans l'inconnu. Alors, let's have a look at what she was saying. So we were actually looking for four things. And I know that it's a bit difficult, so don't give up because this is the main thing. So the first thing, it was je crois, so it's the verb croire. Second thing, it was l'acteur. Je crois que l'acteur, so she goes fast and it's je crois que l'acteur, il doit aller vers, hein, remember we don't pronounce the S, so it goes like vers. And it was sauter, the last thing, it's the verb, so savoir sauter. Allez, let's do exactly the same thing, we'll listen to what she says. I will put a loop, maybe 4 or 5 times, try to listen and read at the same time. Je crois que l'acteur, il doit aller vers le nouveau, vers savoir sauter dans l'inconnu. Je crois que l'acteur, il doit aller vers le nouveau, vers savoir sauter dans l'inconnu. Je crois que l'acteur, il doit aller vers le nouveau, vers savoir sauter dans l'inconnu. Je crois que l'acteur, il doit aller vers le nouveau, vers savoir sauter dans l'inconnu. Allez, numéro 3. Numéro 3, I hope you're ready. So it will be exactly the same thing. Take the time, just take the time to look at, well, first the text with the missing words. So, I hope you're ready. We'll do it. Let's go. Et ça a été l'occasion pour moi d'ouvrir une partie en moi que j'ignorais. Et ça a été l'occasion pour moi d'ouvrir une partie en moi que j'ignorais. Et ça a été l'occasion pour moi d'ouvrir une partie en moi que j'ignorais. Et ça a été l'occasion pour moi d'ouvrir une partie en moi que j'ignorais. Et ça a été l'occasion pour moi d'ouvrir une partie en moi que j'ignorais. Alors, I can see that, in fact, you are writing a bit more now. So it means that you're getting ready, you're getting used to the exercise and her way of talking, so it's good. So now let's look at what she was saying. Et ça a été l'occasion pour moi, en fait, d'ouvrir, so it was the verb, une partie en moi, que j'ignorais, remember, it's the ignorer verb, but in the imparfait form. D'accord? Donc, et ça a été l'occasion pour moi, en fait, d'ouvrir une partie en moi que j'ignorais. So, let's do exactly the same way. So now, I will play it again, one more time, and listen to it and read at the same time, so to get used to the pace. Et ça a été l'occasion pour moi d'ouvrir une partie en moi que j'ignorais. Et ça a été l'occasion pour moi d'ouvrir une partie en moi que j'ignorais. Et ça a été l'occasion pour moi d'ouvrir une partie en moi que j'ignorais. Et ça a été l'occasion pour moi d'ouvrir une partie en moi que j'ignorais. Alors Ice Cubes qui dit « Quelle torture !» Non, ça n'est pas une torture. Alors, let's have a look at number 4. So I told you we'll have 5 things. So this is, well, not the last one, sorry for you. Get ready to, I mean, get used to the text now. Ali, we'll start right now the same way. I mean, I will make it loop maybe 4 or 5 times. We will see, okay? So don't get stressed. You've got still 4 words. So of course it's difficult, but try your best. Et comme dans la vie, si on ne fait pas d'espace en soi, on n'est pas vraiment en relation avec ce que la vie peut être. Et comme dans la vie, si on ne fait pas d'espace en soi, on n'est pas vraiment en relation avec ce que la vie peut être. Et comme dans la vie, si on ne fait pas d'espace en soi, on n'est pas vraiment en relation avec ce que la vie peut être. Et comme dans la vie, si on ne fait pas d'espace en soi, on n'est pas vraiment en relation avec ce que la vie peut être. Et comme dans la vie, si on ne fait pas d'espace en soi, on n'est pas vraiment en relation avec ce que la vie peut être. Alors, let's have a look at what she was saying. Et comme dans la vie, si on fait pas, so as you can see, it's exactly the same thing. Hein? In that case, she's dropping the first part of the negative form. So she doesn't say si on ne fait pas, but she's dropping it si on fait pas. D'accord? Si on ne fait pas d'espace en soi, on n'est pas en relation avec ce que la vie peut être. Voilà. Allez, let's listen to that one more time. So I will make it loop, maybe 4 or 5 times. Try to listen and read at the same time. Et comme dans la vie, si on ne fait pas d'espace en soi, on n'est pas vraiment en relation avec ce que la vie peut être. Et comme dans la vie, si on ne fait pas d'espace en soi, on n'est pas vraiment en relation avec ce que la vie peut être. Et comme dans la vie, si on ne fait pas d'espace en soi, on n'est pas vraiment en relation avec ce que la vie peut être. Et comme dans la vie, si on ne fait pas d'espace en soi, on n'est pas vraiment en relation avec ce que la vie peut être. Allez, let's go for number 5. Number 5 will be a bit more tricky. Well, you know that we need to finish with the big challenge. So this is exactly what we are about to do. Look at that. So of course it will be much more difficult, but try your best. Really try your best. Okay, and then on y va. Et je me souviens de choses très anciennes. 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 Alors, let's have a look at what she's saying. Je me souviens de choses très anciennes. So as you can see here, you've got the verb se souvenir. Remember, it's a reflexive verb or it's, well, a pronominal verb, so you will have to use some pronouns. So, je me souviens. Okay? After that, de choses. And then you imagine that it must be the plural form because shows it if it was the or if it would have been the singular, it would have been je me souviens d'une chose. In that case, it's the plural, so de choses, pluriel, donc très ancienne. Je me souviens de choses très anciennes. So let's take the time to listen to it one more time. Et je me souviens de choses très anciennes. 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 So now the question is simple, because I like to prepare some exercises, but of course I like to know if you enjoy them, if you think that we should continue that. So I don't really know. We'll see together. Tell me if you want us to do the same type of exercises in the near future. So because I would be so pleased to make more, but if you don't really like them, then in that case, it's totally okay. No problem about that. Okay, so take the time to tell me j'aime ou je déteste or something, or then stop. It means that we stop, or encore, it means that we continue. Go for it, and after that we go to the next next exercise. Merci beaucoup. Alors, well, it seems that you like it, so I guess it's a good thing. So I guess we will continue with this type of exercises. The idea would be to try to have, well, persons like that, I mean, that are, well, extremely popular, but then, I mean, it would be interesting for you to see if it's too fast or if it's too difficult, and try to work on that. And of course, the idea would be also to start to work on the news and the things that usually are extremely difficult for students, especially to work on their own. So this is the reason why I think we will continue, because apparently you like that. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir un témoignage. Ça veut dire qu'ici, nous allons découvrir encore une fois, alors c'est le thème du jour. Hein. Le thème du jour, c'est de travailler sur eh bien, des documents authentiques, c'est-à-dire des vrais documents audio ou vidéo. Parce que c'est en général ce qui est un petit peu le plus difficile. Donc, vous allez voir ici que eh bien, nous allons encore une fois regarder une vidéo. Nous allons la regarder dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on va la regarder deux fois. D'abord, vous allez la regarder pour essayer de comprendre d'une façon globale, c'est-à-dire essayer de comprendre de quoi on parle. Après, nous allons regarder la même vidéo une deuxième fois. Et là, je vais vous demander d'essayer de vous concentrer sur plusieurs petites choses. D'accord? Alors, premier visionnage de cette vidéo. On y va ensemble. Après ma seconde générale, je me suis réorientée en voie professionnelle sur un CAP en ébénisterie. Ça m'a beaucoup plu dès le départ. J'ai donc décidé de poursuivre en brevet des métiers d'art. Du coup, cette année, je suis en première année. L'année prochaine, j'espère avoir mon diplôme pour poursuivre en design, enfin vers le design ou le graphisme, pour pouvoir acquérir des compétences supplémentaires, pour savoir comment on confectionne un meuble, mais vraiment de A à Z, voir si on ne peut pas le faire sur ordinateur, par exemple. Je connaissais personne qui travaillait dans le métier, mais ce qui m'a plu, c'est de voir ce qu'on pouvait faire avec du bois, comment on pouvait le travailler, les assemblages, les meubles. En fait, pour moi, c'est une autre manière d'apprendre, parce qu'on nous apprend à exécuter un métier. On voit le déroulement de toute la fabrication, en partant des plans à la réalisation. Pour moi, c'est important le fait de pouvoir créer ou de dessiner moi-même quelque chose qu'on va pouvoir reproduire après, parce que je sais que ça viendra de moi. Alors, encore une fois, c'est quelqu'un qui parle très rapidement, je sais, mais ce n'est pas grave. Ça fait partie des difficultés de l'apprentissage d'une langue. Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est bien sûr de le regarder une deuxième fois. Mais ce que je voudrais maintenant, puisque ici, on sait qu'elle s'appelle Cécilia. Cécilia, c'est une jeune femme. La question... c'est finalement, je voudrais que vous essayiez de comprendre mais qui est-elle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle parle ici, que fait-elle, qu'est-ce qu'elle fait exactement, et quels sont ses projets. D'accord? Alors attention, donc essayez de me dire qui elle est, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait vraiment, ce qu'elle fait, est-ce que... bon... on la voit visuellement, mais est-ce qu'elle explique? Et quels sont ses projets pour l'avenir? D'accord? Ça va rapidement, mais c'est pas grave. Nous travaillons tous ensemble et on va y arriver. Ok? Faites le maximum, concentrez-vous. Vraiment, il faut vous concentrer et prenez des notes si c'est nécessaire. Et après, vous me faites une petite phrase. Allez-y, vous êtes courageux et courageuse. On y va pour la deuxième écoute. C'est parti. Après ma seconde générale, je me suis réorientée en voie professionnelle sur un CAP en ébénisterie. Ça m'a beaucoup plu dès le départ. J'ai donc décidé de poursuivre en brevet des métiers d'art. Du coup, cette année, je suis en première année. L'année prochaine, j'espère avoir mon diplôme pour poursuivre en design, enfin vers le design ou le graphisme, pour pouvoir acquérir des compétences supplémentaires, pour savoir comment on confectionne un meuble, mais vraiment de A à Z, voir si on ne peut pas le faire sur ordinateur, par exemple. Je connaissais personne qui travaillait dans le métier, mais ce qui m'a plu, c'est de voir ce qu'on pouvait faire avec du bois, comment on pouvait le travailler, les assemblages, les meubles. En fait, pour moi, c'est une autre manière d'apprendre, parce qu'on nous apprend à exécuter un métier. On voit le déroulement de toute la fabrication, en partant des plans à la réalisation. Pour moi, c'est important le fait de pouvoir créer ou de dessiner moi-même quelque chose qu'on va pouvoir reproduire après, parce que je sais que ça viendra de moi. Alors, je vous l'ai demandé, maintenant vous avez regardé cette petite chose deux fois. Essayez de m'écrire une petite phrase, tout simplement, eh bien, pour me présenter cette personne. Hein, une phrase assez courte avec ces trois éléments, c'est-à-dire qui est-elle, ce qu'elle fait et ce qu'elle voudrait faire plus tard. Allez-y. Alors, je vois que Mouskan Batia nous a écrit une belle phrase. Une fille qui fait son diplôme et elle fait des graphiques et dessine des choses différentes. Elle travaille dur. Bikert, elle parle de son métier. Elle étudie à l'université. Elle parle de son rêve d'avenir. Son projet est d'être designer, de faire du design de meubles, effectivement. Cloudy Sky, elle étudie les métiers de l'art et elle voudrait, avec un T par S, devenir designer. Très bien. Lisbeth Cécile est une élève, c'est Cécilia, une élève, elle étudie le design et les graphiques, oui. Yossi, elle est étudiante, elle apprend à utiliser l'ordinateur et les applications pour les travaux dans une usine de bois, oui. On parle d'ébénisterie, hein, le travail du bois. Ada, elle est étudiante de lycée technique, oui. Elle apprend comment faire le métier de la fabrication des choses de bois, oui. Comme les meubles et tout ça, c'est vrai, c'est très bien. Ritu Jain, elle fait son diplôme, attention, diplôme c'est masculin, de graphisme, très bien. Baveshi, elle fait un cours en ligne, c'est pas vraiment en ligne, hein. Là on voit vraiment qu'elle est, dans l'usine, hein, clairement. Hein. Tina, c'est une étudiante qui a décidé de faire un deuxième diplôme. Elle veut faire une formation pour construire des meubles. Oui, pour réaliser, concevoir des meubles. Désirée, elle s'appelle Cécilia. C'est une élève dans un lycée professionnel. Elle voudrait se lancer dans un projet de design sur la transformation du bois. Magnifique, Désirée, vous pouvez être fier, vous avez très bien écrit. Sapna, elle s'appelle Cécilia, elle fait maîtresse en informatique designer, première année en lycée, leur projet c'est la fabrication. Oui, alors c'est un petit peu... Oui, oui. Ice Cubes, elle est une étudiante d'art au lycée et travaille dans une usine pour pratiquer ce métier, elle dessine. Olga Ruiz, Cécilia travaille pour son diplôme de graphiste peut-être, que vous vouliez dire. Victoria Possé, c'est une étudiante qui apprend un métier, oui. Elle est en première année et la seconde donnera le diplôme, très bien. Hilary Cécilia apprend le projet de la production de meubles, design de meubles, oui. José, elle est étudiante en design. Alors attendez, est-ce que nous aimons en même temps à contribuer à la société, d'accord. Cosmina Bellou, c'est une élève qui est inscrite dans une école professionnelle, oui. Elle est en première année dans cette école. Oui, elle espère que l'année prochaine, hein, c'est pas la peine de mettre dedans, que l'année prochaine, elle va s'inscrire pour les études de design de meubles, c'est magnifique. Sandeep, elle est en train de faire son diplôme en design de meubles avec du bois. Très bien. Et Cassandra qui m'offre un café, et vous savez que j'adore le café. Merci beaucoup Cassandra, merci, merci. Alors, nous avons exploré les verbes, d'accord? Maintenant, ce que je vous propose, bah, c'est de reprendre ces verbes et tout simplement de les intégrer dans des phrases. Et nous allons faire exactement de la même façon, c'est-à-dire que, voyez, je vous propose l'expression, je vous propose une phrase, I'm sad he can't come, s'il vous plaît, écrivez-moi la phrase en français. Merci beaucoup. Alors, Desarlika nous rejoint. Bonjour à vous. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton like. Merci beaucoup. Alors, regardons ensemble. Moi, j'avais mis personnellement, je suis triste qu'il ne puisse pas venir. Donc, j'avais mis le subjonctif sur le verbe pouvoir. Il y a d'autres personnes. YouTube Brother, je suis triste qu'il ne vienne pas. C'est tout à fait parfait. Vous choisissez le verbe venir. Vous le mettez au subjonctif. C'est très, très bien. Je regarde les autres. Ouais. Faites attention, Ouria. Là, on est vraiment dans le subjonctif. Donc ça veut dire que votre verbe pouvoir, il doit automatiquement être au subjonctif. Donc soit vous mettez le verbe pouvoir au subjonctif, ou alors vous mettez le verbe venir au subjonctif. Après, c'est difficile d'avoir d'autres options. Donc faites bien attention, là on est vraiment dans le subjonctif. J'ai vraiment envie qu'on fasse du subjonctif maintenant dans la partie qui suit les verbes. Donc ici c'était puisse ou vienne, ça je l'acceptais. Allez, on continue avec donc être content, contente que... She's glad you can go on vacation. Comment est-ce que vous pourriez me traduire, eh bien, cette phrase en français, s'il vous plaît? Alors là, je regarde effectivement. Pour l'instant, il y a juste Cosmina Bellou et Victoria Possé qui ont mis leur réponse. Alors, regardons ensemble, puisque ici aussi, deux possibilités. Soit vous allez dans le... Apparemment, tout le monde veut aller dans le pouvoir, et ça, c'est très bien. On est juste d'accord, par contre, et ça, c'était pour Cosmina, faites attention. Puisse, comme vous mettez ici la forme de tu, souvenez-vous qu'on ne le prononce pas, mais on doit avoir le S. Puisse, je puisse, tu puisses, S. D'accord? Il, elle puisse, E. Donc ici, effectivement, on doit avoir le S à la fin de puisse. Attention Desarlika, puisque ici, nous devons avoir automatiquement le subjonctif. Après, ça n'est pas tu peux, mais c'est le subjonctif présent, tu puisse. D'accord? Faites bien attention parce que là, c'est l'idée de l'exercice. Là, vraiment, on travaille sur le subjonctif. Donc, si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave, mais essayez de regarder comment les autres le construisent. Tenzin, attention, tu puisses avec un S à la fin. Merci beaucoup. Regardons ensuite. Être déçu que. D'accord? Donc, ça, c'est ce que vous allez utiliser. We are disappointed that you are not coming to our house tonight. Comment est-ce que vous pourriez traduire ça avec, s'il vous plaît, un subjonctif? Merci beaucoup. Alors, regardons ensemble. Je regarde ce que vous commencez à mettre. Alors, bon, nous sommes déçus que, ça, il n'y a pas de problème. On peut le mettre au masculin pluriel, mais on peut le mettre au féminin pluriel aussi. C'est comme vous voulez. Après, deux possibilités, comme d'habitude. Nous prenons le tu ou nous prenons le vous. Ça n'est pas grave. Que tu ne viennes, V-I-E-N-N-E-S. Ou que vous ne veniez. V-E-N-I-E-Z. Si vous ne connaissez pas le subjonctif présent du verbe venir, je vous invite à regarder mes vidéos concernant la conjugaison ou en général, allez trouver la conjugaison. La prononciation est vraiment importante. C'est pour ça que je vous invite à regarder mes vidéos. Je prononce systématiquement toutes les formes. Donc, veniez ici est vraiment un E-E. Hein. Après, pas. Alors, soit vous dites chez nous à la maison, comme vous voulez. Chez nous, ça me semble être la meilleure possibilité. Et puis, ce soir, c'est là aussi peut-être la meilleure possibilité. Nous sommes déçus que vous ne veniez pas chez nous ce soir. Voilà, donc l'idée c'est vraiment d'utiliser ce que je vous donne dans la petite partie rouge, être déçu que, ne cherchez pas trop loin. Regardons maintenant, c'est être désolé que, d'accord? Et vous allez traduire en utilisant être désolé que plus un verbe au subjonctif, la phrase I'm sorry, you had a problem. Allez-y. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton like, s'il vous plaît, mon plaisir c'est 100 likes, merci. Alors regardons ensemble ici, nous sommes d'accord que je suis désolé que peut être au masculin, mais il peut être aussi au féminin. Que vous ayez eu ou que tu aies eu. C'est la même chose, hein. Soit on choisit le singulier ou le pluriel. Mais ici, il est très important d'utiliser le subjonctif passé, puisque nous faisons référence à un événement passé. Donc on ne peut pas utiliser, non, le subjonctif présent, on doit utiliser le subjonctif passé. Je suis désolé que vous ayez eu un problème, ou pour certaines personnes, vous avez choisi le tu, c'est très bien, je suis désolé que tu aies eu un problème. Subjonctif passé. Et là, c'est très important. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici dans le niveau avancé. Hein, faites attention. Donc, nous continuons. Youpi, je voudrais que vous utilisiez l'expression être heureux ou être heureuse que. D'accord? Avec la phrase I'm glad you can change cars. Allez-y, s'il vous plaît. Alors, avec Cosmina Bellou, c'est à fond les ballons. On n'utilise plus le français standard. Le français standard, mais à quoi ça sert? On ne sait pas. Alors, bagnole, oui, je l'accepte, effectivement. Ça dépend avec qui on parle. Et faites attention, Cosmina, bagnole, c'est GN, hein, c'est pas NG. Alors, nous sommes d'accord que ici, je suis heureux ou je suis heureuse. Ça, c'est pas un problème. que tu. Et là, on va utiliser encore une fois le verbe pouvoir que nous allons mettre, eh bien, tout simplement au subjonctif présent. Et donc, le subjonctif présent, ça va être puisse. Si vous préférez mettre vous, puisque c'est toujours la possibilité ici, vous puissiez, d'accord? On est ici dans le subjonctif présent. C'est-à-dire que, Larcy, malheureusement, tu pouvais... Non. C'est du subjonctif, et c'est le subjonctif présent ici. Tu puisses, je l'accepte, ES. Vous puissiez, PUISSIEZ. Changer de voiture. Si vous voulez mettre bagnole, bon, bah, c'est un petit peu, ça dépend du contexte hein, quand même. Nous sommes d'accord, on ne l'utilise pas avec tout le monde. Allons-y pour le prochain. Le prochain, c'est être surpris ou le féminin surprise que. Donc ça, c'est ce que vous allez utiliser. Et dans la phrase, c'est he's surprised. She doesn't talk to him. Allez-y. Alors, Sundar is asking pourquoi heureux, enfin, Sundar demande pourquoi heureux, voiture et féminin. Mais oui, mais je suis heureux. Le sujet n'est pas voiture. Voiture n'est absolument pas sujet dans notre phrase. Sundar, regardez encore après, regardez tranquillement la vidéo, mais voiture n'est absolument pas sujet, hein. Alors, regardons ensemble. C'est donc ici. Il est surpris. Hein, nous sommes d'accord. Là, j'avais envie de mettre le « he » pour que ce soit clairement identifié comme un masculin. Donc, il est surpris. Là, on ne peut pas mettre le féminin puisque c'est un masculin automatiquement. Qu'elle ne lui parle pas. D'accord? Je suis en train de regarder ce que vous me mettez. Non, globalement, c'est bien. Victoria Jacques, Victoria Jacques, championne du subjonctif et du positionnement de pronoms, compléments, d'objets indirects. Félicitations, ça mérite de champagne. Champagne pour aujourd'hui, pour Victoria Jacques, je dis bravo. Oui, faites attention puisque ici, le verbe parler, eh bien, même si la forme ressemble à l'indicatif présent, non, ici, c'est vraiment le subjonctif présent. Souvenez-vous, conjugaison du verbe parler, que je parle, E, que tu parles, ES, qu'il, elle parle, E. Et oui, c'est la même forme que l'indicatif présent, mais c'est quand même le subjonctif présent. Que nous parlions, que vous parliez. Et là, c'est la même forme que l'imparfait de l'indicatif, mais c'est le subjonctif présent. Qu'il, elle parle, ENT, c'est la même forme que l'indicatif présent, mais c'est quand même le subjonctif présent. Et c'est ça la difficulté. Si vous avez encore des difficultés avec le subjonctif, regardez toutes les vidéos, j'en ai fait. Beaucoup. Allez, on continue avec l'expression être étonné, donc masculin, ou être étonné, féminin, que. Donc vous allez utiliser ça. La phrase c'est I'm surprised you can't speak English. D'accord? Utilisez ça et s'il vous plaît, mettez-moi un magnifique subjonctif. Il nous reste juste moins de 30 minutes, 29 minutes pour obtenir 5 likes supplémentaires. Ça n'est pas beaucoup. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le bouton, s'il vous plaît, sinon je vais pleurer. Je vais pleurer devant vous, vous serez embarrassés et moi également. Alors, regardons ensemble, oui, alors, bon, soit effectivement, on y va facilement, et on va juste dire, je suis étonné que tu ne parles pas, que vous ne parliez pas anglais. Là, je l'accepte parce qu'effectivement, c'est tout à fait correct. On va tout simplement prendre le verbe parler. C'est très intelligent parce que le verbe parler est un verbe régulier. Donc, c'est beaucoup moins sportif pour créer le subjonctif. Mais c'est tout à fait correct. Si vous voulez, comme moi, utiliser un verbe qui est un petit peu plus complexe, c'est-à-dire le verbe savoir, eh bien vous allez l'utiliser. Souvenez-vous, le verbe savoir, le radical va changer. Le radical sera sache, S-A-C-H. Et après, vous allez mettre vos terminaisons. Que je sache, E. Que tu saches, E-S. Qu'il, elle, sache, E. Que nous sachions, que vous sachiez, qu'il, elle, sache. Donc, vous pourrez dire, je suis étonné que tu ne saches, E-S, pas parler anglais. Deuxième possibilité, je suis étonné que vous ne sachiez pas parler anglais. Tenzin, pourquoi sachiez ? Tout simplement parce qu'en général, en français, on va utiliser l'expression « savoir parler une langue ». Je sais parler telle langue, je ne sais pas parler telle langue. Je suis étonné que vous ne sachiez pas parler anglais, mais si vous avez mis « parler », tout simplement au subjonctif, c'est parfait. Je suis étonné que vous ne parliez pas anglais. D'accord? Allez, on y va avec l'expression suivante. Être furieux, être furieuse que. I'm furious that the car broke down today. Broke. C'est dans le passé. Petite information, ça n'est pas là, mais c'est dans le passé. Donc probablement un subjonctif passé. Alors c'est ce qu'on appelle de la récidive. Cosmina Bellou, récidive, elle veut absolument utiliser bagnole. Eh bien, je l'accepte. Ah, je suis très tolérant. Alors l'expression je suis furieux, je suis furieuse que, bon ça on n'y touche pas, c'est clair. Alors après, c'est comme vous voulez, la voiture, ça, ou la bagnole, pour certains, faites attention en fonction du contexte. Ensuite, eh bien l'expression c'est tomber en panne. Pour une voiture, on utilise « très très rarement cassé, on va utiliser tomber en panne. Et il est très important de bien se souvenir que, eh bien, tomber, quand on va le mettre dans un temps composé, on va systématiquement utiliser être. Là, c'est le subjonctif passé. Le subjonctif passé est un temps composé. Donc, nous devons mettre être au subjonctif présent. Soit. Ensuite, nous mettons notre participe passé tomber. Et comme nous utilisons être, nous allons marquer le féminin à la fin de notre participe passé avec un E, puisque voiture est féminin, soit tomber au féminin. Donc en panne et aujourd'hui, eh ben, écoutez, aujourd'hui c'est aujourd'hui, hein, donc logiquement il n'y a pas de problème. Je suis furieux, je suis furieuse que la voiture, ma voiture si vous voulez, soit tombée, et là je ne négocie absolument pas. Soit tombée, ça doit être comme ça, en panne aujourd'hui. Voilà, je suis désolé si c'était un petit peu difficile, mais c'est comme ça. Allez, on continue avec celle-là. Alors ça, c'était, souvenez-vous, être fâché. Féminin avec le E, phonétiquement, c'est la même chose. Être fâché que. Alors maintenant, la phrase « He's upset that she won't talk to him ». Allez-y, s'il vous plaît. Alors Fiona Adams qui dit c'est très compliqué, oui, oui, j'avais, mais j'étais honnête Fiona, j'ai dit aujourd'hui c'est subjonctif, c'est un petit peu complexe, c'est un niveau avancé, c'est nécessaire mais c'est complexe, ne vous stressez pas. Bien sûr, on va continuer plus tard avec d'autres exercices, mais aujourd'hui, je pense que c'est important de juste prendre le temps, être systématique avec ces exercices-là. Alors, regardons ensemble. Donc, l'expression, c'est être fâché que. Donc, ici, je vous ai indiqué que, effectivement, c'est le masculin, la troisième personne du singulier. Il est fâché que. Ensuite, bien sûr, vous allez mettre elle. Donc, le E disparaît, vous mettez l'apostrophe. Il est fâché qu'elle. Ici, eh bien, tout simplement, alors bon, je regarde, vous me dites qu'elle ne lui parle pas, c'est tout à fait bien, qu'elle ne lui parle pas, on reste par contre sur un subjonctif, hein, nous sommes d'accord. Personnellement, je voulais mettre quelque chose d'un petit peu différent, qu'elle n'accepte pas de lui parler, mais ça n'est pas un problème. Soit qu'elle ne lui parle pas, et là je dis d'accord parce que parle, c'est bien le subjonctif, pas de problème. Pas de futur, non. Pas de futur du tout. Ici, on va rester dans le subjonctif présent. Donc, qu'elle ne lui parle pas, qu'elle n'accepte pas de lui parler. J'aurais même voulu, éventuellement, le verbe vouloir. Qu'elle ne veuille pas lui parler. Ça, c'était possible. D'accord? Donc, les trois sont tout à fait acceptables, mais ce sera automatiquement du subjonctif après. Yossi qui dit un désastre total aujourd'hui. Mais c'est normal, Yossi. On ne peut pas être au top tous les jours et surtout quand on commence avec le avec le subjonctif. Et là j'essaye d'être vraiment systématique, donc je suis désolé. Alors, attention, ne pas penser que. Souvenez-vous, c'était dans notre liste que nous avons vue au début. I don't think he can come. Allez-y, subjonctif, subjonctif. Merci beaucoup. Alors, Victoria Jacques qui dit « Oh oui, Yossi, je comprends, c'est difficile pour moi aussi, mais Victoria Jacques, pam, à chaque fois, c'est correct. Je regarde, Victoria Possé, c'est pareil. Cosmina Bellou, oups, vous ne voulez pas définitivement mettre le verbe « pouvoir » au subjonctif présent. Est-ce que ce serait une fonction, une réaction par rapport au subjonctif ou au verbe? Au verbe pouvoir, alors regardez, je ne pense pas que, ça je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne pense pas que, systématiquement vous aurez du subjonctif après, surtout si le sujet est différent. Je ne pense pas qu'il puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. Il puisse, et après vous mettez le verbe venir. Si vous préférez mettre le verbe venir directement, d'accord, on peut négocier, simplement le verbe venir doit être au subjonctif. Je ne pense pas qu'il vienne. V-I-E-N-N-E. Ça, je l'accepte si il est au subjonctif. Si vous me le mettez au présent de l'indicatif, je dis non, ça c'est une erreur et non, c'est pas possible. Alors, ne pas croire que. I don't think, I don't believe he can swim. I don't think, I don't believe he can swim. Comment est-ce que vous pourriez, eh bien, traduire ça avec, s'il vous plaît, du subjonctif? Alors, je regarde tranquillement, excusez-moi, je suis allé prendre un verre d'eau parce que j'avais un petit peu soif, je dois dire, regardons ensemble. Ici, je ne crois pas que, nous sommes d'accord, c'était le point de départ. Ensuite, qu'il, alors, beaucoup de possibilités, enfin pas beaucoup de possibilités, mais qu'il, moi j'utilise le verbe savoir, puisqu'effectivement, on utilise, comme pour les langues, hein, tout à l'heure, savoir parler dans une langue ou savoir nager, d'accord? Donc, je ne pense pas qu'il, moi j'ai utilisé savoir, qu'il sache nager. Bon, certaines personnes ont utilisé pouvoir. Pas de problème, pas de problème. Nous sommes d'accord, si vous utilisez pouvoir, eh bien, vous allez, bien sûr, me mettre P-U-I-S-S-E. Puisse, qu'il puisse nager. Et là, je dis, c'est parfait. Je ne crois pas qu'il puisse nager, je ne crois pas qu'il sache, si c'est le verbe savoir, nager. Et là, nous sommes tout à fait d'accord. Attention, je ne crois, c'est R-O-I-S. Hein, parce que là par contre, c'est du présent, de l'indicatif. Allez, regardons ensuite. Ne pas trouver que... Alors, ne pas trouver que she doesn't think that... non, she doesn't think her parents are severe. She doesn't think her parents are severe. How, comment est-ce que vous pourriez, pardon, traduire ça avec notre expression et un subjonctif, merci. Alors attendez, Cosmina Bellou qui dit « Je crois qu'il peut nager, je ne crois pas qu'il puisse nager, c'est correct. » Oui, 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 c'est vraiment ce verbe, hein, ce verbe « croire », et il y en a plusieurs autres, hein, mais qui, quand ils sont à la forme infirmative, avons appelé, et bien tout simplement ici, un présent de l'indicatif. Quand ils sont à la forme négative, ils appellent un présent du subjonctif. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, Cosmina. Alors là, effectivement, bon, pour l'adjectif, je commence à regarder. Je vois que vous mettez sévère, donc c'est possible. Shona a mis strict, pas de problème, Shona. Strict est très, très bien aussi. Alors, bon, pour... Collie House a mis sadique. Non, Collie House. Non, sadique, c'est trop... c'est trop extrême. C'est trop extrême, soyons d'accord. Dur, je l'accepte. Alors, dur, Yossi propose dur. Donc, sévère, je l'accepte aussi. Strict, je l'accepte. Sadique, non. Oh non, c'est trop fort. Hein, c'est trop, trop fort. Alors, l'expression, donc, elle ne trouve pas que... Ça, on est d'accord. Là, il n'y avait pas de problème. Attention, véropole, hein, quand vous conjuguez « trouve », pas de « s hein, ». Ici, c'est la troisième personne. Ses parents. Là, il n'y avait pas de problème. Tout était clair. Soit, alors là, nous sommes d'accord que nous sommes obligés d'utiliser le verbe « être hein, ». Et le verbe « être », vous le mettez à la troisième personne au subjonctif présent. « S », « O », « I », « E », « N », « T », « soit ». D'accord? Elle ne trouve pas que ses parents soient sévères. Elle ne trouve pas que ses parents soient stricts. Elle ne trouve pas que ses parents soient durs. Ada qui dit « ça dit que c'est marrant ». Ah ben c'est marrant comme ça, mais c'est pas marrant quand on est la victime. Voilà, mais en tout cas on est d'accord pour l'aspect grammatical. Après pour le côté lexical on peut négocier. Hein. Allez, ne pas être sûr que. I'm not sure you're right. I am not sure you're right. S'il vous plaît, structurez ça avec, s'il vous plaît, bien sûr, un subjonctif. Alors là, je commence à regarder. Malheureusement, Victoria Jacques, vous étiez un petit peu rapide. Vous étiez un petit peu rapide et c'est votre erreur ici. Alors souvenez-vous, donc je ne suis pas sûr que. Alors là, c'est vous qui décidez si vous mettez le masculin ou le féminin. Moi, j'ai mis le masculin parce que je suis un homme, mais j'aurais pu mettre le féminin, excusez-moi. Alors, deux possibilités ici. Hein. Le you, c'est toujours pareil. Tu ou vous. Mais systématiquement, ce sera du subjonctif présent. Donc, je ne suis pas sûr que tu es, souvenez-vous, on écrit A-I-E-S. D'accord? Tu es. Ou alors, vous allez vers le vous. Et là, c'est tout à fait possible. Je ne suis pas sûr que vous ayez subjonctif A, Y, E, Z, raison. Raison, ce sera la même chose pour les deux. Donc, je ne suis pas sûr que tu aies raison. Je ne suis pas sûr que vous ayez raison. D'accord? Donc ça, ce sera la même chose. Collie House, je ne suis pas sûr que tu n'aies pas tort. Bon, on peut toujours négocier. En tout cas, vous avez mis un subjonctif et je suis un homme heureux. Merci beaucoup. Alors, souvenez-vous cette expression. Avoir hâte que, qu'on avait vu ensemble. Donc la phrase I can't wait for us to be on vacation. I can't wait for us to be on vacation. S'il vous plaît, utilisez avoir hâte que plus, eh bien, un subjonctif. Alors, nous sommes d'accord qu'ici, l'idée, c'était d'utiliser l'expression « avoir hâte que ». Donc, vous commencez votre structure avec « j'ai hâte que ». D'accord? Ensuite, bien sûr, vous allez mettre le « nous ». Là, c'est difficile de mettre autre chose. « Soyons ». Ici, l'expression, souvenez-vous, alors soit on va utiliser, alors attendez, je vais regarder si je peux négocier avec certaines personnes, soit on va mettre être en vacances, d'accord, comme c'était dans la version originale, partir en vacances, je pourrais l'accepter. Certaines personnes ont mis que nous partions en vacances, pas de problème, mais le verbe partir doit être, bien sûr, au subjonctif présent, P-A-R, T-I-O-N-S, pas de problème. D'accord? Si vous avez choisi être, souvenez-vous que, eh bien, le verbe être, à la forme nous, ce sera soyons, S-O-Y-O-N-S. Que nous soyons en vacances ou que nous partions en vacances, c'est magnifique. Allez, avoir envie que. I really want you to be here for my birthday. La même chose ici, s'il vous plaît, utilisez l'expression avoir envie que plus un subjonctif. Merci beaucoup. Alors, regardons ensemble. Donc ici, l'expression, c'était « avoir très envie que ». Donc, « j'ai très envie que ». Là, il n'y a pas de problème. Comme d'habitude, pour le « you », donc on va avoir les deux possibilités. La majorité d'entre vous va vers le « tu ». Donc, pas de problème. « Tu ». Là, on va mettre effectivement le verbe « être » au subjonctif présent. « Tu sois », S-O-I-S. Si vous choisissez vous, Il n'y a pas de problème, vous allez mettre vous soyez, S-O-Y-E-Z. Ici, là, j'accepte les deux. Pour mon anniversaire, là, il n'y avait pas de problème. Je pense que... Alors, certaines personnes ont mis « à mon anniversaire », c'est parfait aussi. C'est parfait. À mon anniversaire, pour mon anniversaire, ici ou là, ça, c'est tout à fait possible. On peut toujours négocier ces choses-là. Le verbe et le subjonctif, parce que c'est l'objectif de notre cours aujourd'hui, ce n'est pas négociable. S-O-I-S. Attention, attention, Lisbeth, c'était vraiment, c'était you, hein, le concept. Hein, c'était toi ou vous, c'est-à-dire tu ou vous pour le sujet. D'accord? Allez, merci beaucoup. Alors, la photo du jour, vous le savez, on essaye chaque jour de découvrir une photo. Celle-là, elle est peut-être pas exceptionnelle, mais en même temps, je pense qu'elle est très très intéressante pour formuler quelque chose, pour écrire quelque chose. Voici la photo du jour. Écrivez-moi une phrase pour décrire cette photo. Allez-y, merci beaucoup. Alors, Curiosidades me demande, Vincent, quelle est la différence pour prononcer « je »,« j'ai »,« j'ai ». Alors, Curiosidades, clairement, dans votre liste, hein, nous sommes d'accord, vous avez trois choses. La première chose, c'est « je ». Donc, le « e », bah, finalement, il descend un petit peu. « Vous voyez, il va un petit peu vers le bas. Les deux autres, c'est exactement la même prononciation. C'est-à-dire le E final pour votre subjonctif, pour le troisième, hein, on ne le prononce pas. Donc ça veut dire A-I, vous allez le prononcer E. A-I-E, vous allez le prononcer E aussi. Vous ouvrez la bouche, E. Et ça monte un petit peu. Je, ça descend un petit peu. J'ai, ça monte. Numéro 1, je. Numéro 2, j'ai. Numéro 3, j'ai. Le même, hein. 2 et 3, comme je vous l'ai expliqué, Curiosités, c'est la même chose. J'espère que c'était clair. Alors, Victoria Jacques, qui est la première et qui nous dit « Quelqu'un a écrit sa lettre de démission. » Très bien. Ça va, Victoria, avec le travail? Ok, Yesero nous dit « On dirait un homme qui écrit une lettre à son amante. » N70 nous dit « Il écrit une lettre à sa mère qui vit à l'étranger. » Fiona qui nous dit « Désolé, je suis en retard aujourd'hui. » C'est pas grave, Fiona. Pas de problème, nous sommes là. L'ambiance est bonne. Tout le monde est là. Bienvenue. Ada, il y a un homme très bien habillé en écrivant quelque chose d'important. C'est vrai qu'on sent qu'il est très bien habillé. Boom, Vidlover, une personne écrit une lettre à ses parents qui habitent dans un pays très loin de lui. Mouskan, un homme qui est en train d'écrire quelque chose avec un stylo. Eh oui, Desarlika, l'homme dans la photo va écrire ce qu'il va faire. Ice Cube, c'est une photo d'une personne qui essaye d'écrire des caractères japonais. Comme moi. Ice Cube, pourquoi vous commencez avec le japonais? Pourquoi pas le chinois? Moi, une question, c'est juste une question, mais comme ça. The Goat Assassin. Il y a un homme très bien habillé en écrivant quelque chose d'important, très bien écrit. Hilary Howell, quelqu'un écrit... Alors, attendez, je vous ai pris... Oh, j'ai perdu. Hilary, je vous ai perdu. Excusez-moi. Alors là, j'ai perdu Hilary. Je ne sais pas où elle est. Bombville Lover, une personne qui écrit une lettre à ses parents qui habitent dans un pays très loin. Oui, ça, on avait vu. Hilary, je vous vois. Quelqu'un qui écrit une note. Très bien. Berilla 71, il ne sait pas quoi écrire. C'est possible. Annabelle Nouvelle, si je n'aime pas ce que je ressens, je devrais changer ma pensée. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour le partage de cette idée. Ah, il faut réfléchir. Là, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir. Lisbeth, c'est moi quand Monsieur Vincent nous dit la dictée du jour. Tenzin, il était en train d'écrire quelque chose sur une feuille. Oui. Sundar, l'homme qui travaille dans son bureau et il écrit une lettre. Oui. Luciana, il écrit son vote sur le vote électoral. Bah, c'est comme ça que ça se passe dans certains pays. Pas dans tous les pays, hein. Curiosidades, l'image représente l'apprentissage. N'arrêtez jamais d'apprendre. Ce que nous savons est une goutte. Ce que nous ne savons pas, c'est la mer. Et ça, je suis d'accord. Voilà, je suis d'accord. Hein, parfois, Curiosides, il y a des points où on n'est pas d'accord, mais là, je suis d'accord. Véropole, un homme qui écrit une lettre ou qui signe un document. Yossi, le directeur, va prendre des notes importantes. Oui. Victoria Possé, c'est le professeur qui signe les examens des élèves. Et oui, on sait que c'est pas toujours très agréable. C'est l'expérience qui parle. Cosmina Bellou, je peux dire que l'homme est un fonctionnaire ou quelqu'un qui travaille dans un bureau parce qu'il a une manicure soignée. Mon Dieu, Cosmina Bellou, vous regardez les ongles des gens, c'est incroyable. So now we will work together with the expression avoir.